accompagne vos nuits. La Libre Antenne, Sabrina Philippe sur Europe 1. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle soirée de Libre Antenne sur Europe 1. Nous serons ensemble jusqu'à 1h du matin. J'aimerais commencer cette émission avec une très jolie citation de Christian Bobin. « Ce qui ne peut danser au bord des lèvres s'en va hurler au fond de l'âme. » Alors appelez-nous pour faire danser les mots sur le bord de vos lèvres ce soir. La ligne est ouverte au 39-21. Lauriane et Benjamin vous accueillent avec leur gentillesse naturelle, j'ai envie de dire. Et puis bien sûr, vos SMS au 739-21 en commençant vos messages par le mot « nuit ». Fifi nous accompagne ce soir, c'est la Libre Antenne, vous êtes sur Europe 1. Et attention, c'est parti. Europe 1. Et c'est Alice qui nous rejoint pour commencer cette émission. Bonsoir Alice. Bonsoir Sabrina. Bonsoir. Je vais essayer de faire danser les mots, mais je ne sais pas si je vais y parvenir. Je suis sûre que si. On va essayer. Alors, qu'est-ce qui vous amène à nous appeler? Alors, moi, en fait, j'ai plutôt besoin de conseils, et pas forcément pour moi. Je vous explique, je vais essayer d'être claire. Avec mon compagnon actuel, avant de nous rencontrer, nous étions déjà en couple, hein, tous les deux. On était sans doute au bout de notre histoire. Donc moi, je n'avais pas d'enfants avec mon ex-conjoint. J'ai eu des enfants avant avec mon ex-mari. Lui, par contre, avec sa conjointe, il avait deux enfants, donc un ado d'une quinzaine d'années et une fille qui a aujourd'hui 12 ans. Mmh. Et donc nous sommes installés assez rapidement ensemble. Donc moi, mes enfants, ça s'est très bien passé. Par contre, ses enfants ont été m'ont chagriné du départ de leur papa. Leur maman a été très peinée aussi. Elle était avec lui depuis des années et a été très étonnée parce qu'elle pensait que tout était acquis. Cet homme, il est vraiment formidable. En tout cas, avec moi, il l'est. Je pense qu'avec Ali, il l'était aussi. C'est un super papa, très dévoué, qui prend toujours tout en charge. Et donc, en fait, mon problème, mon inquiétude, en fait, c'est la maman et la petite, parce que quand il est parti, bien sûr, comme il est gentil, il a pas mal culpabilisé. Et il a essayé de faire au mieux. Donc, bon, son fils ne souhaitait pas me rencontrer. Et la petite, elle est plutôt solidaire de sa maman. En fin de compte, comme sa maman était triste, elle a dit à son papa, moi, je veux bien te voir, mais je veux pas la rencontrer, elle, tant que maman n'ira pas mieux. Bon, ça fait un an et demi, maman, visiblement, ne va pas mieux. Ou, en tout cas, ne montre pas qu'elle va mieux et n'incite pas sa fille à voir son papa, à aller chez son papa. Donc, la première année, nous habitions dans la même ville. Et là, pour des raisons professionnelles, nous avons déménagé donc à trois heures de route. Et donc, rien n'a été formalisé. Moi, c'est ce qui me dérange. Moi, personnellement, moi, personnellement, ça se dit pas, mais c'est pas grave. Mais si, ça peut se dire, ça peut se dire. Alors, je suis divorcée, ça s'est très bien passé et tout a été formalisé, écrit sur le papier. Et moi, je trouve que c'est très bien parce que ça donne un cadre pour les enfants. Et avec le papa, on s'entend très bien, c'est toujours très bien arrangé. Mmh. Donc là, ils s'entendent. Mais mon conjoint, en fin de compte, maintenant qu'on est loin, au début, quand on était, au début, quand on était dans la même ville, il voyait ses enfants, enfin, en particulier sa fille, avec qui ils sont très fusionnels, donc le dimanche, mais il allait à son ancien domicile. Ou par la même occasion, il faisait un peu de bricolage parce que la maman avait besoin, etc. Maintenant que nous habitons à 3 heures de route, donc c'est lui qui va voir ses enfants. Moi, parfois, je vais avec lui, donc on dort chez des amis ou dans la famille. Par exemple, il n'est pas là, il est parti voir sa fille. Et en fait, ce qui me dérange, c'est qu'il va toujours à son ancien domicile pour voir sa fille. Donc ils font les devoirs, quand il fait beau, ils vont se promener, mais il est vraiment toujours là-bas. Et je
je trouve que c'est pas bien parce que il est vraiment à la portée de main de son ex-compagne hein, qui espère encore. Et moi, je fais souvent la comparaison. Si je lui dis, si tu mets du chocolat devant le nez d'un diabétique, c'est pas gentil et c'est frustrant et tu risques pas de le sevrer, entre guillemets. Je sais pas si c'est une bonne analyse. Mais bon, c'est la mienne. Et du coup, voilà. Donc, le fait que après un an et demi, il aille toujours à son ancien domicile pour voir la petite, donc que j'ai rencontrée lors d'un trajet en voiture. Donc, elle a pas tiqué, mais elle a dit surtout, on dit pas à maman parce que ça va lui faire de la peine. Et donc, du coup, je suis un peu cachée, alors que tout le monde sait qu'on est ensemble, tout le monde sait qu'on habite ensemble, etc. Mais voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez de cette situation, du fait que rien ne soit formalisé, ni les tours de garde, enfin en tout cas les week-ends, ni la pension alimentaire, on donne comme ça, on participe comme ça. Moi je trouve pas ça bien et j'ai pas l'impression que ça va aider la situation à évoluer. Et pour finir, lui n'a pas encore retrouvé de travail. D'ailleurs, ça me pèse beaucoup et il me dit toujours qu'il ne le formalisera pas tant qu'il n'aura pas retrouvé du travail. Donc, en plus, ils sont encore paxés, donc il n'ose pas, pour ne pas lui faire plus de mal, casser le pax. Donc, lui, il est architecte, il recherche, on habite dans l'Hérault, il recherche du travail en tant qu'architecte ou donc responsable de parc immobilier ou même professeur de dessin, des choses comme ça. Donc, à bon entendeur, si jamais. Voilà. Il culpabilise. Il dit tant que j'aurais pas retrouvé du travail, j'ose pas faire les choses parce que je suis pas légitime. En fait, il culpabilise encore. Et en fait, il me dit que il voudrait que tout vienne de sa fille, qu'un jour elle dise papa, maintenant je suis prête à venir chez toi. Moi, je lui ai proposé à la petite, elle m'a dit que oui, mais qu'elle voulait pas faire de peine à sa mère, parce que sa mère, elle pleure tous les soirs et c'est elle qui va l'aborder, la protéger. Je trouve que ça me fait penser un peu à l'analyse de l'enfant thérapeute. Voilà. J'espère que j'ai été claire et pas trop. C'est long. Très, très clair ce que vous racontez, bon. Alice. Alors moi, j'ai des questions à vous poser pour mieux comprendre. Oui. Donc, ça fait combien de temps ça fait un an et demi que vous êtes avec lui? Alors en fait, on va dire qu'on habite ensemble depuis mai l'année dernière. D'accord, donc ça fait un peu plus d'un an. Vous l'avez rencontré comment, cet homme? Dans le cadre du travail. Oui. Donc il était encore avec son ex-compagne quand vous l'avez rencontré, ou il était séparé? Non, il était encore avec son ex-compagne et moi j'étais encore avec mon ex-conjoint. D'accord. Il y a eu le coup de foudre, on s'est compris parce que en fait dans notre histoire, on a envie d'évoluer professionnellement, on était dans une petite ville et nos conjoints étaient bien ancrés dans cette petite ville, avaient pas envie d'y bouger et du coup, on a un peu sacrifié nos carrières pour nos conjoints, mais au bout d'un moment, ça marche plus. Et tout le monde est frustré et donc du coup on a eu vraiment le coup de foudre tous les deux et après ça s'est enchaîné vite et c'est son ex-compagne en fait qui s'est rendu compte aussi de la chose, donc moi j'ai rompu avant et son ex-compagne s'étant rendu compte de la chose, elle lui a dit de partir, donc il est venu chez moi, mais elle pensait qu'il allait juste partir le week-end à l'hôtel, mais non, il est venu s'installer chez moi, donc elle s'en mord les doigts en plus aujourd'hui, la pauvre. Et donc voilà, donc moi en fait j'aimerais bien que la situation avance et puis ça me fait pas plaisir qu'elle souffre, ni la petite ni lui, parce que quand il quitte sa fille elle est triste et lui aussi, donc ça me fait mal au cœur. Voilà. D'accord. Lui, il vous le dit quoi par rapport à cette situation? Il me dit pas trop de choses. Enfin, il me raconte ses week-ends, il m'envoie des mots. Je sais ce qu'il fait, son planning, où il dort. J'ai des photos, mais en fait, il est un peu désolé. Il espère que ça va venir de sa fille. Bon, son fils, il l'espère pas parce qu'il est trop tranché. C'est un ado qui pense tout savoir, comme beaucoup d'ados qui ont. C'est ou tout noir ou tout blanc. Et il est désolé pour sa fille. Il aimerait qu'elle vienne nous voir. Vraiment, il aimerait. Et en plus, autre chose qui n'est pas bon, je trouve, c'est que la maman, je sais pas si elle le fait exprès ou pas, mais elle ne veut pas que sa fille, par exemple, ait de téléphone portable. Donc, elle est en sixième. Et du coup, à chaque fois qu'il communique avec sa fille par SMS, c'est par le téléphone de maman. Donc, maman, elle lit les messages. Et si jamais il lui raconte une chose qu'on fait, elle va lui
elle va le lui reprocher. D'accord. Alors, oui, elle se sert finalement, elle se sert. C'est ça. J'ai vraiment l'impression. Elle se sert des enfants pour pour garder un lien, pour garder aussi une emprise finalement. C'est ça. Je veux pas mal la juger parce que je lui ai quelque part j'ai pris son âme. Mais oui, c'est pas une question de mal la juger. C'est humain. Malheureusement, ça fait beaucoup de mal aux enfants parce que ce sont des enfants qui sont utilisés. Oui, ils sont utilisés dans cette guerre parentale et il n'y a rien de pire pour des enfants. Et ils sont pas. Elle est un peu fâchée, un peu rancunière, mais lui, il est toujours gentil avec elle. Quand il y a pas longtemps, en février, il devait partir au ski. Il est allé avant pour aider à charger la voiture parce qu'avant c'est lui qui faisait, qui a mis les barres de toit, enfin des choses comme ça, des petites choses. Il aide, il fait un peu de bricolage quand il vient pour soulager parce que c'était aussi son ancien chez lui. Donc il veut pas laisser tomber, il assiste. Et puis je pense qu'il faisait vraiment tout. Et donc, dès que la maman elle a besoin, elle peut m'aider pour faire ci, pour faire ça. Est-ce que vous en parlez avec lui de ça? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il dit par rapport à cette situation, par rapport à ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il arrive à verbaliser, finalement? Ben, moi, il me dit qu'il écoute mes conseils, qu'il essaye, mais en fait, il aime tellement pas les conflits que je lui dis quand je lui dis quelque chose, il me dit oui, t'as raison. Des fois, je lui dis tu devrais formaliser les choses, enfin officiellement que ce soit écrit, parce qu'aujourd'hui ça va bien, mais si un jour elle rencontre un monsieur si les relations se dégradent, je lui dis que ça va pas être bien. Alors il me dit que j'ai raison, mais que c'est dur pour lui de le faire. En même temps, je vois la sincérité de ses sentiments. Il s'engage vraiment vis-à-vis de moi, même chez nous. Hein. Mais il est vraiment mal. Et lui, ce qu'il aimerait, c'est que sa fille, à un moment donné, dise bon ben voilà, papa, je viens, maman. Voilà, elle va mieux. Et moi, des fois, je lui dis, parle à ton ex, dis-lui, bon, prends sur toi, maintenant, ça fait un an et demi, ne montre pas à ta fille que t'es triste, laisse-la venir. Mais la petite, elle dit non, je fais des choses avec maman, je veux pas la laisser toute seule, elle va pleurer, la pauvre. Alors, je comprends, mais voilà, mais lui, ça l'embête vraiment. Sa fille est prise dans ce qu'on appelle un conflit de loyauté. C'est ça, voilà. C'est ça, exactement. C'est un conflit de loyauté, donc par loyauté vis-à-vis de sa mère, elle ne peut pas investir la nouvelle vie de son père. C'est ça, c'est compliqué. Bon, hein. Je pense, Alice, que, alors ça serait peut-être intéressant que vous lui fassiez écouter cette émission en podcast. Ouais, je sais pas, parce qu'il va me dire, oh là là, tu racontes notre vie à la radio. Mais oui, j'aimerais bien un débrief pour lui donner un conseil. Oui, parce que en fait, sans s'en rendre compte, c'est lui qui prolonge la souffrance. Je pense. C'est-à-dire qu'en voulant faire bien, et ça part de très bons sentiments, oui, il prolonge la souffrance parce qu'en effet, il n'y a rien de formel. Donc il laisse l'espoir qu'il puisse revenir. C'est ça. Et il le laisse à son ex-compagne, mais il le laisse aussi à ses enfants. Oui. Et en plus, il se met dans une situation un peu comme un enfant lui-même, qui aurait fait une bêtise et qui essaye de la réparer quand même. C'est ça, exactement. Bon. Et ça ne peut pas être bon pour ses enfants non plus. C'est l'image qu'il leur donne. Oui, je pense. Je ne sais pas quel âge a votre compagnon, ni quel âge vous avez, vous. J'ai 45 ans. D'accord. Et lui ? Pareil, on a pareil. Son âge. À 45 ans, on est des adultes et on a le droit de faire ses choix. Oui. On a le droit de ne plus aimer quelqu'un et on a le droit de ne plus vivre avec cette personne à partir du moment où on fait les choses correctement et c'est ce qu'il fait. Oui. Donc il a le droit. Ben, il est très loyal. Il s'occupe vraiment de tout le monde. Donc là, il est parti là pour le week-end. Il revient demain, mais je sais qu'il s'occupe bien. Mais je lui dis, tu sais, c'est vraiment difficile qu'elle t'ait elle aussi sous les yeux et sous la main. Il fait quelques. Il prolonge la souffrance. Il prolonge la souffrance. Et c'est indispensable que la loi s'en mêle, parce que la loi, c'est la loi. Et il faut que les choses, en effet, vous avez tout à fait raison, Alice, que les choses soient posées sur le papier, parce que ça sera un cadre sécurisant aussi pour ses enfants. C'est ça. Il y a des lois, on voit papa un week-end sur deux, on le voit la moitié des vacances, on le voit à tel moment, et c'est sécurisant pour les enfants. C'est-à-dire que ça n'est plus soumis, ces visites ne sont plus soumises à l'affectivité de l'un ou de l'autre. C'est ça.
Donc c'est un cadre qui sécurisera ses enfants aussi. Tant qu'il se sentira coupable, sa femme en jouera, mais aussi ses enfants. C'est-à-dire que si lui n'a pas un discours en disant « voilà, j'ai le droit, c'est comme ça, j'aime une autre femme, vous restez mes enfants et je vous aime tout autant, mais j'ai le droit aussi d'avoir une autre vie, c'est mon droit d'adulte. » Parce que peut-être qu'un jour, ses enfants auront à vivre la même chose. C'est ça, c'est ça. Mais sa petite, elle le comprend parce que elle lui a dit un jour, elle lui a dit, mais tu sais, maman m'a dit que finalement on la connaît pas, je veux pas juger, mais moi, c'est vraiment le fait que sa mère souffre, mais parce que quand elle m'a rencontrée, une demi-heure dans la voiture, le temps d'un trajet, je lui ai posé des questions, je m'intéresse bien sûr à ce qu'elle est. Je lui ai même raconté qu'on s'était déjà rencontrés dans un autre cadre quand elle était petite, mais qu'on savait pas qui on était. Je connaissais même pas son papa. Et donc, elle a été très, très sympa. Je lui ai parlé de ses activités. Elle n'a pas juste répondu oui, non, du style, celle-là, elle m'enquiquine. Vraiment gentille. Je lui posais une question ouverte et elle me répondait de façon très ouverte et très développée. Donc, ça m'a rassurée, ça m'a fait du bien. Je me suis dit, bon, c'est pas toi, c'est bon, elle est vraiment ouverte. C'est vraiment le problème de la petite qui protège encore sa maman, quoi. Oui, et c'est normal qu'elle le fasse, puisque sa mère, certainement, en joue aussi. Mais je pense. Donc le papa, il me dit qu'elle en joue pas, qu'elle est vraiment triste. Moi, je veux bien le croire. Hein. Elle est certainement triste. Mais la tristesse, elle est là, ça c'est une évidence. Mais elle espère certainement que la situation va changer. Et tant que justement, il ne posera pas une action claire par la loi, elle pensera toujours que la situation va changer. Pour l'aider aussi à se reconstruire, cette femme, pour l'aider à faire son deuil de cette relation, il faut que les choses soient clarifiées. Ça fera beaucoup de bien à ses enfants aussi. Et même si son fils aujourd'hui est un ado qui ne supporte pas cette rupture et qui lui en veut, plus lui sera clair en tant que père, plus il aura de chance aussi d'améliorer ses rapports avec son fils. Ouais, mais ils sont pas mauvais, mais c'est vraiment l'ado qui est bon. Il a sa petite copine, il est sûr de lui, et puis lui, il a son petit confort. Il est un ado un petit peu égoïste qui pense surtout à lui. Et du coup, lui, tant qu'il a son petit confort, en fait, il est content quand il voit son papa et qu'ils font une petite activité ensemble. Il est content, mais pas trop parce qu'il a ses propres activités. Mais voilà, il lui a dit, tu sais, papa, t'as ta vie, tu fais ta vie, t'as fait tes choix, c'est très bien, mais moi, tu peux pas m'obliger. De toute façon, la loi ne peut pas m'obliger à mon âge à venir chez toi, donc je ne viendrai pas chez toi. Mais il lui a dit, tu fais ta vie, t'as fait tes choix, donc c'est une façon de le punir aussi, donc c'est pas de très bons rapports. Ouais, mais par contre, oui, c'est vrai qu'il le sollicite surtout quand il a besoin. Mais bon, c'est pas bon. Je pense qu'ils ont jamais été aussi proches qu'avec la petite, en fait. Mais bon, ça reste quoi. Bon, c'est un garçon ado un peu dans son monde, quoi. Oui, enfin, ouais, même avec sa maman. Oui. Avec sa maman, il est pas sympa. Hein. Il est pas sympa non plus. Des fois, il lui parle mal et du coup, elle appelle son ex, donc mon compagnon, en pleurant. Oui, tu te rends compte ce que t'as fait et tout. Il pleure. Enfin, il est pas gentil avec moi. Et la petite, pareil, dit, je veux pas, maman, te laisser le week-end avec mon frère parce que, enfin, il dit à son père, je veux pas la laisser avec mon frère parce qu'il est pas, sympathique avec maman, quoi. Mais il est sympathique ni avec son père, je pense, ni avec sa mère, ou quand il a besoin. Enfin, c'est pas un mauvais garçon, hein, mais comme je vous dis, il est vraiment dans l'âge un peu critique, quoi. Enfin, je pense. Voilà. C'est un âge difficile de toute façon, mais dire qu'il ne veut pas venir chez son père, c'est une façon aussi de lui faire payer. Ça, on peut pas non plus, on peut pas le nier non plus. On ne peut pas tout faire passer sur le coup de l'adolescence, si vous voulez. Oui, je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Aujourd'hui, c'est facile, on dit c'est l'adolescence, c'est l'adolescence. Mais l'adolescence, elle ne justifie pas tout, et un adolescent n'est pas un autre non plus. Donc, il en veut certainement à son père aussi. Mais plus la situation sera claire, ce que je vous disais, Alice, plus la situation sera claire, plus ça facilitera ses rapports. Ce père a un droit a le droit d'avoir sa fille en vacances, a le droit d'avoir sa fille en week-end. Elle va grandir, donc elle pourra peut-être aussi se déplacer pour venir en week-end chez vous. Mais et ce droit-là, donc il va pas pouvoir se déplacer comme ça ad vitam non plus. Et ce droit-là, il faut qu'il le prenne.
Il faut qu'il le prenne. C'est ce que je lui dis, parce que du coup, un week-end sur deux, il fait quand même 600 km pour voir sa fille, donc on peut pas dire que c'est pas un bon papa. Bon, son ex lui avait dit, quand nous sommes partis, elle lui a dit, bon, écoute, si elle veut venir, elle vient, mais de toute façon, je ferai même pas la moitié du chemin, tu débrouilles, tu viens chercher. Donc finalement, pour l'instant, c'est un mal pour un bien, parce que s'il devait venir la chercher le vendredi, la ramener le dimanche, il ferait 1200 km. Mais bon, enfin, de toute façon, c'est pas forcément le problème, mais du coup, il la voit un week-end sur deux, et pendant les vacances, eh ben, ouais, c'est quasiment que le week-end. Bon, là, il reste 2-3 jours parce qu'il y avait des activités, mais je lui dis, tu l'as même pas 15 jours, tu l'as même pas une semaine, et tu dors plus avec elle, et tu prends plus les petits-déj avec elle. Et un jour, je lui dis, mais si jamais, par exemple, chez des amis, il n'y a pas de place pour dormir, est-ce que tu vas aller dormir là-bas? Il me dit, ben, si j'ai pas le choix. J'ai dit, non, ça, c'est pas possible, je le tolérerai pas, c'est pas bon. Même si tu dors dans la chambre d'amis, tu dors pas dans ton ancien domicile avec ton ex-compagne. Parce que ça, c'est ouvrir une porte et montrer un espoir, alors que ton intention n'est pas celle-là. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, non, mais bien entendu. Bien entendu, là, de toute façon, ce que vous racontez, Alice, c'est que lui n'a pas d'ambivalence vis-à-vis de vous. C'est-à-dire qu'il vous aime, il a envie de construire avec vous, c'est clair. Ah oui, tout à fait. La situation est très claire. Situation est très claire. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que les choses soient posées. Alors, je sais pas comment faire pour lui dire, parce que j'ai beau lui dire à chaque fois, donc j'essaie de pas pousser, parce que je me dis, si un jour je pousse trop, il va dire, bon, allez, j'en ai marre, je m'en vais, je veux être sans femme, et comme ça, ce serait pas compliqué, je fais ce que je veux. Mais vous voyez, même pour les fêtes de Noël, par exemple, l'année dernière, c'était assez compliqué, quoi. Donc, heureusement qu'il y avait la mamie, ils ont pu aller chez la mamie pour que, De toute façon, dans les familles de séparation, de divorce, c'est toujours compliqué, les fêtes, vous savez. Oui, donc, voilà, je pense. Enfin, ma situation était tellement facile avec mon ex-mari, c'était chacun son tour, un qui avait Noël, un qui avait le réveillon, et donc du coup. Ça se passe pas toujours comme ça. Ça se passe comme ça, hein, parce que c'est idéal pour les enfants, mais ça se passe pas toujours comme ça. En tout cas, il y a une solution, peut-être, comme je vous le disais, Alice, c'est de lui faire écouter cette émission. Oui. C'est complètement anonyme, je le précise, hein, voilà. Oui, je sais bien, c'est pas mon prénom. Bon. Voilà. Donc c'est complètement anonyme et voilà, je crois que j'ai été quand même suffisamment claire sur le fait que il fallait justement que la situation soit beaucoup plus posée, beaucoup plus tranchante, mais aussi pour éviter la souffrance. À chaque fois qu'il se rend dans son ancien domicile, sa fille se demande s'il ne reviendrait pas. À chaque fois, il n'y a pas que sa femme. Il me dit que non. Il me dit que non, mais je dis, mais inconsciemment, tu ne peux pas l'empêcher. C'est pas possible. Elle voit ça, ça lui met sous les yeux ce qu'elle avait avant et ce qu'elle pourra avoir encore. Et puis peut-être que avec la maman, ils peuvent créer par exemple, un goûter convivial ou des choses comme ça qui fait espérer, même si lui, dans sa tête, il est clair. Pour les autres, le message, je pense que le message qu'il envoie n'est pas le bon. Oui, et tout à fait. Et je vous dis, il perpétue la souffrance. Donc voilà. Mais est-ce que, enfin, après, je sais que ce qui lui fait peur, c'est de dire. Moi, je lui ai dit, va voir le juge des affaires familiales. Si ça peut s'entendre à l'amiable. En plus, il n'y a pas de mariage. Oui, oui. Mais après, il faut qu'il la prévienne et qu'il fasse les choses. En tout cas, Alice, ça va être le flash info dans quelques secondes maintenant. D'accord. Mais je crois que les choses sont claires, elles sont posées. Et essayez de lui faire écouter le podcast de cette émission. Je crois que ça pourrait être une bonne chose. D'accord? D'accord. Bon, je vous remercie. Merci à vous pour cet appel. Bonne nuit. À vous également. Et bonne continuation à vous. Merci. Au revoir. Accompagne vos nuits. La Libre Antenne, Sabrina Philippe sur Europe 1. Appels au 39-21 et puis bien sûr vos réactions, vos conseils par SMS au 7-39-21 en commençant vos messages par le mot nuit. C'est Barbara qui nous rejoint maintenant. Bonsoir Barbara. Bonsoir Sabrina. Bonsoir. Alors quel est l'objet de votre appel ce soir? Eh bien moi j'ai vécu une aventure
comment dire, une parenthèse enchantée, comme ça. Oh, c'est joli, une parenthèse enchantée. Oui, tout était joli. Ah. Rien de concret, mais tout était joli et j'en suis encore tout émue. Mm-hmm. Bêtement, je dirais, parce que voilà. Vous nous la racontez, cette parenthèse enchantée ? Volontiers. C'est au cours d'un festival et moi je sors souvent seule, parfois avec des amis, mais là j'étais seule. Et très open, je fais connaissance, je discute, je chante, voilà. Et un festival de quoi, Barbara ? De rock. De rock, d'accord. Et à la sortie, il y a un petit groupe comme ça qui m'aborde. Alors on se présente. Eux venaient du sud, là c'était en Rhône-Alpes. Mmh. Et puis il y en a un qui se présente, qui sort du lot, un Dieu vivant. Un beau gars, vraiment, 22 ans, charmant. Et de suite, il me dit, moi j'ai une femme. Enfin, je suis pas mariée, hein, j'ai pas le petit papier, c'est pas nécessaire, mais j'ai une petite fille de 2 ans. Et le deuxième est en route. Voilà, le beau macho qui se présente. Bon, je dis, pourquoi pas. Alors attendez, vous avez une petite fille de 2 ans ? Non, lui non, se présente en tant que tel. À 22 ans, j'ai une petite fille de 2 ans et j'ai le deuxième en route. Comme ça, ça affiche bien le mec macho. À 22 ans. J'ai prouvé ma virilité. Oui, 22 ans, il y a une gamine de 2 ans, il a le deuxième en route. D'accord. L'expression m'a interpellée parce que je me suis dit, bon, bah, lui, il pose bien les jalons. Alors, mais... Barbara, avant de vous laisser poursuivre, quel âge avez-vous vous-même ? Ah, bah, 3 fois son âge. Ah. Alors, 22 fois 3 ? Ah bah je sais pas compter. Bon. Je ne sais pas compter, je ne veux pas savoir. Mais justement, c'était ça qui était marrant parce que bon, la nuit tous les chats sont gris, je veux bien, peut-être un peu alcoolisé, mais quand même, il y a eu un flash réciproque. Et pourquoi pas, parce que c'est quand même ça fait plaisir, quoi. Je me suis dit. Alors, j'avais un autre copain qui était là, puis au fur et à mesure, je lui racontais les. Ça s'est passé sur 2 jours. Le premier jour, on se présente, on échange les numéros de téléphone. Mmh. Il me dit à demain. Donc, le lendemain, j'y vais. Ils n'étaient pas là, le petit groupe, parce qu'ils viennent pour l'after. Ils viennent à minuit. Ouais. Ils arrivent. Alors, il me dit par message on est au restaurant, on arrive. Alors, OK, moi, je dis je vous attends. Mmh. Et il me répond, ça fait plaisir. S.A. Bon, c'est pas gênant, mais moi, j'aime bien les gens qui savent écrire en français. Ça me fait plaisir, S.A. Bon, peu importe, on peut passer sur les détails. Et puis, ils arrivent. Et j'avais fait connaissance avec d'autres. Hein, celui qui me plaisait, on va l'appeler Jérémy. Et puis, j'avais sympathisé avec Julien. Et au fur et à mesure, je racontais les événements à Julien. Je dis, qu'est-ce que t'en penses ? Et à la fin de la soirée, il me dit, bon, ben, ça te dit, on va boire un verre de gnôle au camping. Et vulgairement, spontanément et brutalement, je lui dis, mais tu me proposes une tournante, là, ou quoi ? Et puis il va répéter, parce qu'il était avec son frère, de 15 ans son aîné, et le frère vient me voir. Tu lui dis, comment tu lui parles ? Il sait même pas ce que c'est. Mais non, ça fait il y a 22 ans. Attendez, on a des petits problèmes là de téléphone. Il faut pas que vous bougiez, il faut que vous parliez bien dans le combiné parce que je ne bouge pas. On perd un peu vos mots. Alors son frère dit, si vous voulez bien répéter, il sait pas ce que c'est ça ? Oui, de quoi tu lui parles là ? Je te signale qu'il a 22 ans. Il sait pas ce que c'est. J'écoute. Il est pas si innocent que ça. Il vient m'expliquer ce que c'était Jackie et Michel. Moi, je connaissais pas. Il m'expliquait Jackie et Michel. Bon, alors, je dis, il est pas tout à fait innocent, ton frère. Hein. Voilà. Et puis, à la fin de la soirée, il me propose un verre au camping. Et ça m'a un peu bloqué parce que je voyais pas du tout le contexte. S'ils étaient dans la même tente, tout le temps séparés. Et je trouve ça, j'ai eu peur. J'ai eu peur et, je suis pas allée avec lui, quoi. Puis j'ai demandé à mon copain extérieur, j'ai dit, tu viens boire un verre avec nous ? Il dit, non, moi, j'y vais pas. Donc, j'étais un petit peu bloquée, quoi. D'accord. Et comme j'habitais pas très loin, la tierce personne, elle me dit, mais tu l'emmènes chez toi, t'habites pas loin. Tu l'emmènes et tu le ramènes. Et... Je dis, mais en plus, j'ai pas assez d'essence. Il me dit, mais il y a une station, il m'explique même la station. Dit, tu vas là-bas faire le plein et tu l'emmènes chez toi, ça sera plus cool que dans un camping. Mmh.
Et puis, puis ça s'est pas fait, quoi. Mais moi, je trouvais que l'histoire est, en soi était belle. C'était un petit flash comme ça, Barbara. Oui, 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 mais bon. C'était, ça s'est passé quand? Ça s'est passé quand, cette histoire? Le week-end dernier, c'était vendredi et samedi. Et c'est quoi? C'est qui, Guitry qui disait le plus beau dans l'amour, c'est de monter l'escalier. Ben, moi, j'ai monté l'escalier pendant 24 heures et il s'est rien passé, mais c'était bien quand même. Voilà. Elle est sympathique, votre histoire. En effet, c'est une petite parenthèse enchantée. Oui, parce que c'est... Mais lui, on fonctionne vraiment pas pareil. Il a dû se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette allumeuse, cette vieille folle là qui m'a fait croire? Parce que pour lui, c'était acquis. Il avait des regards sur moi, c'était acquis, quoi. Mmh. Moi, je trouvais ça rigolo, donc... Mais si ça s'était passé dans un autre contexte, dans un club, bon ben... Il venait chez moi, mais là, non, c'était pas possible, c'était pas réalisable. C'est pas son âge qui me gênait, c'était pas du tout ça, mais c'était dans un camping. J'ai eu peur, comment ça va se passer, là, j'étais pas à l'aise. Mais alors, bon, c'est... En effet, bon, vous avez quand même une très très grande différence d'âge, hein, parce que je sais encore compter, faire fois trois. Je connais même ma table de multiplication. Faut pas le dire, mais non, mais j'entends bien, Barbara, que vous voulez pas savoir, et j'entends la jeunesse de votre voix. Mais il y a aussi une certaine réalité dans tout ça. Donc, en effet, je pense que déjà, bon, il me semble quand même que le bon sens vous a porté vers le mieux, c'est-à-dire que ne pas aller dans ce camping me semblait la bonne décision à prendre. Et j'aurais pu l'amener chez moi. Vous auriez pu, mais peut-être qu'en fait, l'ambiance. Oui, je pense que vous aviez envie de rêver un peu. Qu'un homme jeune comme ça porte les yeux sur vous, ça vous a transporté? C'est flatteur, oui. Mmh. C'est flatteur. Mais peut-être qu'il fallait que ça en reste là. Je me suis dit, la pauvre femme, je me suis mis deux secondes à sa place, qui est enceinte, qui fait confiance à son homme, parce qu'il est avec son frère, parce qu'il est avec le meilleur ami de son frère. Ils allaient pêcher la truite dans des torrents, en Rhône-Alpes. Tout porte à faire confiance. Et malgré tout, il se donne le droit de comme ça d'aller draguer n'importe qui, n'importe dans un festival, et ça elle le sait pas. Mais j'ai trouvé ça abominable, quoi. À la place de sa femme, je serais furieuse. Mais elle ne le saura jamais, évidemment. Il a dû m'enlever de son répertoire. Mais c'est abominable. Mais sur le moment, je n'y pensais pas du tout. Moi, je la connais pas. C'est pas grave. Ça, c'est pas ça qui me gênait. Mmh. C'était le contexte. Comment ça allait se passer parce que c'est pas. Mais il n'y a jamais tous les critères. Je peux pas avoir un jeune homme de 22 ans, beau comme un dieu, qui fait bac plus 8 et qui m'emmène dans un palace. Bon, c'est pas possible tout ça, mais et qu'il fasse pas de faute de français, enfin tout ça. Mais au moins, c'est dans ce contexte-là, pourquoi pas? Mais il y a toujours un empêchement. Est-ce que je n'osais pas faire le pain, ou est-ce que c'était le camping, ou je sais pas ce que c'était exactement. De me montrer nue devant un jeune homme, parce que évidemment c'est délicat, j'étais jeune et bien faite, mais ça change. Je sais pas, c'est peut-être un mélange de tout ça qui m'a bloquée. Bloquée ou tout simplement qui vous a ramené vers une certaine sagesse aussi, Barbara, parce que... Oh, je l'ai pas la sagesse, non, mais jamais. Vous l'avez un petit peu quand même, parce que vous n'êtes pas partie dans ce camping. Donc, il y a... Si vous voulez, vous le disiez tout à l'heure, le meilleur moment, en effet, comme disait Guitry en amour, c'est quand on monte l'escalier. Vous avez monté l'escalier, mais c'était pas forcément de rentrer dans la chambre. Donc finalement, ce moment-là, il reste dans toute sa pureté, dans toute cette petite parenthèse, comme vous disiez. Et c'est bien que ça reste une parenthèse, peut-être. Pour moi, c'était joli, mais lui, il a dû me maudire. Il a dû vraiment m'en vouloir. Parce qu'après, je suis partie avec un... J'ai fait mine de partir avec un copain, je dis bonsoir tout le monde. Et après, j'ai dit à ce copain, excuse-moi de t'avoir utilisé, parce que je le connaissais que depuis le soir. Il me dit, non, c'est pas grave, il s'en fichait complètement. Il était très cool, il me dit, non, mais je comprends, c'est pas grave. Et puis on a discuté sur le parking. Pendant un petit moment, parce que la situation était quand même un peu cocasse, quoi. Et alors, vous, Barbara, vous êtes célibataire? Ah ben, je suis divorcée, seule, et je m'amuse. Oh, bah, écoutez, c'est formidable. Il y a des situations dramatiques, mais moi, c'est une anecdote plutôt rock'n'roll. Hein. Ouais, c'est rock'n'roll, c'est formidable de vous amuser comme ça. Hein. C'est formidable. Mais c'est du Eric Rohmer, quoi. Manu Chémeau, il se passe rien, mais qu'est-ce que c'était bien. Il s'est rien passé, mais
ça me réjouit encore. Enfin, on est mardi, ça s'est passé vendredi et samedi, et ça me réjouit. C'est quand même bizarre, quoi. Ben, ça vous a flatté, ça vous a montré aussi que vous étiez toujours séduisante, que vous étiez aussi prompte à plaire. Ben oui, mais pourquoi ne pas en profiter? Parce que ça se présente une fois par an dans les meilleurs cas. Et ça se présentera de plus en plus rarement. Donc il faudrait un jour que je passe que je fasse le pas, parce que c'est dommage. C'est dommage pour les deux. Ça aurait pu être très bien. Ça aurait pu ou pas? Parce que c'est jamais aussi bien quand on rêve pour ces petits moments-là. Oui. Mais vous n'avez pas envie de tomber vraiment amoureuse, d'avoir une histoire Non. Avec les hommes de mon âge, mais même 10 ans de moins, ils sont tristes à mourir. Ils ont du ventre, ils sont chauds, ils ont des lunettes, ils ont de la barbe blanche. Mais c'est impossible pour moi, c'est impossible. C'est impossible, ils me donnent envie de pleurer. Je vais sur des sites de rencontres, même 10 ans de moins, c'est... Non, c'est pas envisageable. Ou alors, vraiment... Non, mais c'est ceux qui sont très bien, ils ont une femme et peut-être une maîtresse, et moi je serai la troisième, c'est pas la peine. Hein. Bah non, faut être réaliste. Hein. Pas toujours, vous savez, pas toujours. Il y a de très belles histoires qui se font à n'importe quel âge. Et puis l'âge, c'est très subjectif quand même, parce que vous me dites, oui, les hommes à mon âge ou 10 ans de moins, ils sont comme ci, ils sont comme ça. De la même façon qu'il y a des femmes qui très vite finalement s'enferment dans leur âge. Vous, c'est pas votre cas, mais il y a des hommes qui sont comme vous, qui s'enferment pas dans leur âge. Il y a des hommes qui ont 60 ans et qui font tas d'activités, qui sont très en forme physiquement, vrai. Et vous avez des hommes de 30 ans ou 35 ans qui sont affalés, qui sont déjà un peu en surpoids, qui ne font pas attention à eux, qui n'ont pas cet allant de la vie, vous voyez. Donc ça veut rien dire, ça. La vision que vous avez des hommes de votre âge, je suis pas très sûre qu'elle soit complètement juste. Mais je vous dis, ceux-là, ils ont déjà quelqu'un, puisque plus on avance en âge, plus il y a 3 femmes pour un homme. Donc ceux-là, il y a un copain, il m'a dit, moi je vais dans une soirée, j'ai aucun problème. Je trouve tout de suite, parce qu'il y a, voire 4 ou 5, en plus les hommes, ils sortent pas, ils n'osent pas. Et les femmes sont plus disponibles, elles se montrent. Et eux, ils arrivent quelque part et pour danser le rock, il y en a 10 qui se présentent, ils n'ont aucun problème. Alors ils n'ont aucun problème, mais on est en train de parler de rencontres. On est en train de parler d'étincelles. Vous êtes une femme à étincelles, vous? Oui. Bon. Donc l'étincelle, elle peut arriver n'importe quand. Vous savez, moi j'ai entendu beaucoup d'histoires d'amour. Hein. Oui. Parce que fut un temps assez long, c'était quand même ma spécialité, l'amour. J'ai entendu des histoires, mais incroyables et incroyablement belles, entre des personnes qui avaient 60 ans, 70 ans, avec des vraies histoires d'amour. Oui. Mais j'y crois, mais c'est difficile à trouver. Hein. Il y a un SMS qui vient d'arriver. Au festival, c'est pareil, j'ai beaucoup de cheveux, et là il me prend par les cheveux, il me dit « Ah, j'aime bien tes cheveux », puis il m'embrasse. Mais lui, il ne me plaisait pas, il était plus jeune que moi, mais il ne me plaisait pas du tout. Il faut qu'il y ait la réciprocité, quand même. Bien sûr. Il y a un SMS qui vient d'arriver qui dit « Hop, 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 je viens de rencontrer un homme de 60 ans absolument charmant. » Certainement, tant mieux. On va attendre. Oui, parce que l'idée, c'est de se trouver, en fait. Et vous pouvez trouver quelqu'un qui a la même énergie de vie que vous. Et c'est ça dont on est en train de parler, en réalité. La difficulté, c'est de pouvoir être assorti. La difficulté, c'est d'être dans cette même énergie. Oui. Quelle qu'elle soit d'ailleurs, qu'elle soit un peu plus calme ou plus rock'n'roll. Mais ça existe. Et moi, ceux qui pourraient me plaire, ils sont accompagnés. Oui, mais il y en a forcément qui sont libres. Forcément. Et puis qui ne vous proposeront pas le camping, qui vous proposeront un petit peu mieux. Et là, vous pourrez dire oui. J'espère toujours. Ben, c'est ce que je vous souhaite, en tout cas, Barbara. Merci beaucoup. Merci à vous pour cette parenthèse enchantée. Au revoir, Sabrina. Au revoir. Au revoir, Barbara. Toutes vos confidences, Sabrina Philippe, au 3921. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. La Libre Antenne sur Europe 1, Sabrina Philippe.
Et nous attendons vos appels au 3921 et puis bien sûr vos réactions par SMS au 73921 en commençant vos messages par le mot nuit. Et en parlant de SMS, j'en ai un pour vous Barbara. Vous qui êtes si rock'n'roll, il y a Alexandre qui souhaite vous joindre et qui dit « Je suis en Rhône-Alpes, je laisse mon numéro, j'ai 55 ans et je suis rock'n'roll ». Voilà peut-être une belle histoire qui va se construire via la libre antenne. C'est Lusina qui nous rejoint maintenant. Bonsoir Lusina. Bonsoir. Bonsoir. Vous riez déjà. Oui. Qu'est-ce qui vous fait rire? Oh, parce que c'est qu'on va parler, peut-être ça va me soulager. Ben, je l'espère. Ça me traumatise depuis l'âge de 8 ans, comme j'avais dit à Benjamin hier, en écoutant la dame de 91 ans lorsqu'elle parlait de ses rêves. J'avais pas bien suivi le début, mais dès que j'ai écouté ça, ça m'a perturbé un peu. Parce que moi, ce que j'avais dit à Benjamin, je vais passer vite fait comme ça, parce que vraiment, j'ai vu de plusieurs rêves. Donc, j'avais 8 ans. Oui. Vous avez quel âge aujourd'hui, Lusina? 55 ans. 55 ans. Ouais, j'avais 8 ans, donc il fallait que le voisin nous ramène à la mer avec ses enfants. C'était une promenade du week-end. Le monsieur faisait souvent ça, il ramenait les enfants du voisin pour aller à la mer, tout ça. Donc moi j'avais dit oui. Le matin, sa fille, qui était ma meilleure amie, on était à même âge, 8 ans, elle est venue me prendre. Dès que ma mère m'a réveillée, elle m'a dit « Viens, on est venu te chercher ». J'ai commencé à trembler. J'ai dit à ma mère, elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai répondu comme ça, ça sortit comme ça. J'irai pas, sinon on va mourir. Ma mère ne comprenait pas, elle me regardait. Ma copine était là, pourquoi elle t'avait dit oui, tout ça? J'arrivais plus. Donc j'étais vraiment figée, quoi. J'arrivais plus à parler. La fille, elle est partie. Ma mère m'appelle, pourquoi tu dis des trucs comme ça? J'ai dit oui, maman, tu vas voir. Parce que vous aviez fait un rêve, Lusina? Ouais, j'avais fait un rêve qu'on était parti se baigner avec la fille et puis on s'est noyé. Elle était morte. Donc dès que j'ai dit à maman, mais j'avais pas expliqué tout de suite à ma maman, j'avais peur. Ma maman a dit pourquoi? J'ai dit oui maman, elle va mourir, juste pour ça je vais pas aller. Ma mère n'avait pas capté. Vers 16h, on entend des cris, toi au pays là-bas en Afrique, il y a des voisins comme ça, les cris. Qu'est-ce que c'était où en Afrique? À Kinshasa, au Congo. Qu'est-ce qui se passe? Non, le monsieur, donc on se parlait toujours des noms et qu'il était parti avec les enfants. Sa fille s'est noyée. C'est-à-dire votre amie? Voilà. Elle s'est noyée comme vous l'aviez vu dans votre rêve? Comme j'avais vu dans mes rêves. Même là, je parle, ça me fait pas bien. Bon, bref. Elle s'est noyée. C'est là où ça a démarré les rêves. Deux ans après, mais nos voisins, on était numéro 5 et c'était numéro 3, c'est les deux sœurs. Donc la sœur aînée était la meilleure copine de ma sœur. Donc on jouait tous ensemble, moi j'étais loin. J'ai dit à ma maman, maman tu sais, Sophie et Anna vont mourir. Ma maman m'a dit, pourquoi? Moi, j'ai dit oui, maman, j'ai vu. Elles sont mortes. Ma maman a dit, mais arrête de dire des trucs comme ça. Mais je sentais que ma maman, elle était paniquée. Mais la façon, tu vois, comme on était d'une famille de 12 enfants, nos parents ne nous donnaient pas vraiment. Je sais qu'ils nous aimaient, mais on ne sentait pas vraiment l'amour parce qu'on était très nombreuses, quoi. Il n'avait pas vraiment le temps de s'occuper des problèmes pour dire. Qu'est-ce qu'il y a, tout ça? Mais 12 enfants, c'est beaucoup, en effet. Voilà. Donc, j'ai dit ça, mais ma mère n'a pas capté. Alors, j'ai dit, je suis venue en France. Mais j'avais toujours, à chaque fois on parlait de l'enfance avec ma petite sœur ici en France, je pensais toujours à l'histoire-là. Mais attendez, parce que vous nous dites... donc 2 ans après, vous dites que vos petites voisines vont mourir, c'est ça? Oui, mais ça s'est fait plusieurs années. Mais moi, j'avais vu ça. Par exemple, je pouvais avoir 12 ans. Donc, du soir, ça s'est fait, j'avais 20 ans. Mais à 12 ans, j'avais parlé de ça. Et qu'est-ce que vous avez vu dans votre rêve concernant ces deux enfants? J'avais vu la grande,
la sœur aînée, il a vu plein de sang. Et puis sa sœur, elle est tombée, elle est morte. La sœur qui avait du sang, elle était morte aussi. Donc c'était le rêve comme ça. Dès que je suis arrivée ici. Donc ça devait être terrorisant pour vous quand vous étiez jeune. Oui, même jusqu'à maintenant. J'ai parlé avec mon psy. Donc je ne vous cache pas, depuis 2005, je dors toujours avec votre émission. Donc même si je suis hospitalisée, je demande toujours au médecin qu'on m'amène la radio parce que j'aime dormir en écoutant les gens pour ne pas dormir profondément, quoi. Je ne sais pas si vous me comprenez parce que je ne parle pas vraiment français. Oui, vous avez peur de vous endormir profondément et de faire ces rêves, c'est ça? Voilà, voilà. Vous êtes hospitalisée actuellement, Lucina? Non. Non. Et vous avez été hospitalisée? Oui. Mais pour quel type de problème? Des problèmes... C'était les rêves encore. J'avais fait... Donc l'histoire de la fille, dès que je suis venue en France, on retourne par là à 19 ans, 20 ans. J'ai appelé comme ça au pays. Donc j'ai commencé à voir les flashs encore. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Là, j'étais déjà grande, 20 ans, j'ai appelé au pays. Mon père m'a dit, non, il n'y a personne à la maison. Ils sont tous partis à la morgue. J'ai dit, pourquoi? Elle m'a dit, donc Sophie, elle est morte. Elle a fait un accident. Donc ça prouve les sangs que j'avais vus. Donc pendant la cérémonie, sa sœur, elle était tellement choquée, elle était partie se laver. Elle est tombée, elle saignait, elle est morte sur le coup. D'accord. Donc là, vraiment, ça commençait à devenir très serré. C'est là où ma mère commençait à penser de ça et comment on était avec ma soeur, comment on se suivait entre nous les filles, ils étaient au courant des trucs que je parlais. On commençait à voir ça bizarre. Après, ça a fait pour ma mère, pareil. Donc ma mère, j'avais pas rêvé, mais j'ai senti la douleur de ma mère. Moi aussi en France, ma mère elle était en Afrique. Ma mère elle est tombée à 7h du matin. Moi, 7h du matin, je me suis réveillée avec une forte douleur de maux de tête. J'ai pris des Doliprane jusqu'à 18h. Si comprimé, j'ai dit à mon mari, là tu m'amènes à l'urgence parce que ça ne va pas. Dès qu'on a démarré pour aller à l'urgence, d'un coup j'ai dit à mon mari, oh, je me sens bien. Mon deuxième mari. J'ai dit, je me sens bien. C'est bizarre. Le médicament agit. Tout de suite, le portable de mon mari, je lui ai dit, comprends, d'accord, on rentre. Il me dit, Mados, que votre maman, elle était tombée, elle avait mal à la tête, on l'a amenée à l'hôpital. Donc, elle vient de rendre l'âme. Donc, moi, j'ai senti la douleur. D'accord. Donc, à 2005, j'avais mon frère qui habitait à Paris. Il avait 50 ans. Il était venu me voir. Parce que ses enfants habitent même ville que moi. Il était venu voir ses enfants, mais il dormait chez moi, comme j'avais un grand appartement. 3 jours d'affilée, je voyais mon frère mourir. J'ai dit à mon compagnon, c'est pas normal. Pourquoi? Et donc je me suis réveillé comme ça la nuit. J'ai dit, c'est pas normal. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, pourquoi je rêve toujours Sébastien et moi? Quatrième jour, c'était plus fort que moi. On mangeait comme ça avec mon frère. D'un coup, j'ai fixé mon frère. J'ai dit, je me sens pas bien. Mais il dit, pourquoi? Moi, j'ai dit, ça fait 3 jours que j'ai rêvé qu'il était mort. Mon frère qui me fixe comme ça, à 2005, il me dit, pourquoi t'as peur? J'ai dit, mais c'est normal, il faut que je pleure. Je dis, n'ai pas peur, j'ai 50 ans. Il dit, pourquoi tu me dis des trucs comme ça? C'était dimanche. Lundi, je suis parti au travail. Après le travail, dès que je suis rentré, je suis parti directement à la cuisine. Je parlais toute seule. Mon frère, il ne répondait pas. Je lui ai dit, mais je te parle, pourquoi tu ne réponds pas? Je rentre au salon. Comme il était très, très clair, j'ai vu qu'il était pâle. Je l'ai touché, il était tout froid. J'ai appelé les 15, tout ça. Excusez-moi, je suis désolée. Non, mais c'est normal, Lévina. Ils m'ont dit qu'il a fait un AVC, mais je ne sais même pas les mots qu'ils m'ont dit. On nous a amenés à l'urgence soins intensifs. Des jours après, le cœur s'est arrêté.
Il y a beaucoup de choses comme ça, mais mon premier mari, c'était pareil, à 39 ans. Donc en fait, vous rêvez... Depuis que le malheur. Vous rêvez la mort de vos proches ou des personnes que vous connaissez, c'est ça? Oui, même j'ai rêvé de mon collègue de travail. Ça fait une année qu'il est mort. Mmh. Il me disait, j'ai mal ici, je me sens pas bien, je perds du poids. Au moment qu'il me rêvait, parfois, il me parlait, parfois je rêve, mais parfois si la personne est devant moi, je le fixe trop, je sens. J'ai insisté à mon collègue de travail d'aller à l'hôpital. Après, il m'a appelé au bout de 3 semaines parce qu'on l'avait mis à l'arrêt. Il m'a dit, on m'a hospitalisé. Je lui ai dit, je vais passer te voir. D'un coup, je commence à paniquer. J'avais peur d'aller le voir. Dès que je suis arrivé à l'hôpital, j'ai regardé dans la chambre où il m'avait donné le numéro. Je vois l'infirmière qui vient vous chercher. Qui j'ai dit, non, je suis un tel. C'est mon collègue de travail, on a travaillé 19 ans ensemble. La dame m'a dit, vous voulez boire? J'ai dit, pourquoi non, je n'ai pas soif. Mais j'ai commencé à paniquer, j'ai senti que... Mais c'est que les flashs que je voyais, ça s'est réalisé. Il m'a tenu, il m'a dit, madame, elle t'a quitté la nuit, elle est morte la nuit. Et tout ça, vous le vivez mal, bien sûr, Lusina. Très mal. Vous êtes croyante? Vous êtes croyante? Si on parle de croyance, c'est dur. Parce que je travaille à l'hôtel. Et je m'occupe plus de petits déjeuners. Un jour, j'étais à la réception avec mes collègues et les femmes de chambre. J'étais restée figée. Parce que j'ai demandé les clients les numéros de chambre pour les guider vers les salles petits déjeuners. Je voulais demander à un monsieur, vous êtes à quelle chambre? D'un coup, je n'arrivais plus à parler. J'étais figée. Le monsieur m'a fixé. J'ai tourné, j'ai dit à ma collègue, vous n'avez pas remarqué? Il m'a dit, quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Moi, il m'a dit, vous n'avez pas remarqué? Il m'a dit, quoi? Moi, il m'a dit, vous n'avez pas vu que le monsieur, là, il a la lumière? J'ai dit, oui, quelle lumière? En même temps, je suivais le monsieur. J'ai dit, monsieur, il tourne. Il me dit, ça va. J'ai dit, je sais pas, je vous ai vu, vous m'avez fait du bien d'un coup. Le monsieur me dit, vous croyez en Dieu comme vous me posez là? J'ai dit, bien sûr. Il me dit, Dieu vous aime. Au moment où il voulait me toucher à l'épaule, j'ai vu qu'il était prêtre. J'ai crié comme un enfant, j'ai dit à ma collègue, vous avez vu? Qu'est-ce que j'avais vu? C'est un prêtre. Donc maintenant, même là, c'est le problème qui me dérange plus. Si j'ai une amie qui est malade, j'ai peur d'aller le voir. Alors si on prenait le problème différemment, Lusine. Bon, ce qui vous arrive, là, vous voyez la mort. Vous voyez la mort des autres et de vos proches. D'accord? On ne va pas rentrer ici dans des considérations de fait d'y croire ou pas, parce que vous donnez suffisamment d'exemples, et puis c'est votre vie à vous. Des rêves prémonitoires, des choses comme ça, j'en ai déjà entendu beaucoup. Ah bon? Oui, oui. D'accord. Donc vous n'êtes pas la seule à faire des rêves prémonitoires. Après les expliquer, ben chacun a son explication. D'accord? Oui. Maintenant, si on prenait les choses différemment. Vous faites ces rêves-là. Bien sûr, ça vous effraie. Vous avez ces visions, ça vous effraie. Mais si ça concerne vos proches, ça peut être aussi une occasion, finalement, parce que vous avez une information qu'ils n'ont pas, ça peut être l'occasion aussi de les apaiser, ça peut être l'occasion de leur dire des choses qui sont importantes. D'accord. D'en faire quelque chose. J'ose pas tellement. Dès que ça me fait ça, j'ai trop peur. Mais peut-être qu'il faut... Avec mon frère, j'ai voulu parler. Parce que je me rappelle que quelqu'un m'avait déjà dit il faut parler, il faut prier. Mais ça me terrifie un peu que je n'arrive pas. Puis j'avais parlé à mon frère, mais dès que j'avais commencé à lui parler, donc il m'a dit, mais pourquoi vous avez peur? C'est
entends. Donc j'étais restée comme ça, j'arrivais pas vraiment à trop réagir, quoi. Et ça arrivait même, madame, avec mon chat, mon propre chat. J'ai bien entendu, hein, Luzina, j'ai bien entendu. Mais c'est la peur, sans doute, qu'il faut enlever. D'accord. C'est la peur qu'il faut enlever. D'accord. D'accord. Oui, oui. D'accord. C'est dur, hein. J'entends. J'entends que c'est dur. Et d'ailleurs, votre témoignage est difficile, hein. Votre témoignage est difficile, en effet. Vous avez essayé d'en parler à votre psychiatre, parce que vous disiez que vous aviez un psychiatre. Oui, oui, oui. Mais qu'est-ce qu'il vous dit, votre psychiatre? Il me donne plus de médicaments, tout ça, parce que lorsque j'ai dormi, le premier jour de l'hospitalisation, parce que j'avais fait, je ne vous cache pas, j'avais fait une dépression. Donc j'étais hospitalisée 45 jours. Les dépressions, c'était suite à... Je ne me sentais pas bien. Mais je sentais comme quelqu'un me parlait. Va voir un médecin. J'ai pris rendez-vous chez mon médecin. Je lui ai dit, fais-moi le bilan de santé. Il m'a fait le bilan de santé. J'ai gardé l'ordonnance pour aller au laboratoire. Passer des 10 jours. En rentrant du travail, j'ai tourné. J'ai dit, mais... J'ai senti quelqu'un me dit, va au laboratoire. Mais j'ai tourné, j'ai vu personne. Je pars au laboratoire, je fais le bilan de santé. Dès que je suis rentré à la maison, j'ai vu les SAMI qui sont chez moi. J'ai dit non, j'ai pas appelé les SAMI. Il m'a dit non, vous venez de faire le test. Il faut qu'on vous ramène d'urgence à l'hôpital du Mans. On m'a ramené, donc on a trouvé que les potassiums étaient bas. Donc j'ai risqué de faire un arrêt cardiaque avant minuit. C'est ce qu'ils m'ont dit. D'accord. Ils ont commencé à me mettre les potassiums. C'est là où j'avais craqué. On m'avait mis à l'hôpital psychiatrique. Parce que j'avais senti quelqu'un qui m'a dit va au laboratoire. J'ai senti, mais je ne voyais personne. Ça, c'était en plein jour. Donc, il y a quelqu'un qui m'a protégé, qui m'a dit vas-y, vas-y. Donc, à l'urgence, on a dit à mon compagnon, si. Mon compagnon m'a dit, mais c'est quoi? Parce qu'il cherche à comprendre. Elle dit, non, les potassiums sont bas. Elle dit, mais ça fait quoi les potassiums? Elle dit, c'est des tours, n'est pas normal. Il pouvait faire un arrêt cardiaque. J'entends, Gina. C'est comme si vous dites, comme si on vous avait prévenu finalement. Oui. Il y a quelques SMS qui arrivent pour vous qui disent voilà, rêve ou vision prémonitoire, je comprends. Régine, voilà. J'ai connu ça aussi. Vous n'êtes pas la seule à avoir ce type de vision ou de prémonition. D'accord. D'accord, oui, oui. Donc ça, c'est important que vous l'entendiez. D'accord. D'accord, Lucina. Ça me fait du bien parce que le problème... C'est ma famille qui connaît ça plus. Toute ma famille connaît. Parce que vous êtes la seule dans votre famille? Non, on est 12 et je suis la seule. La seule à avoir ce genre de vision, comme on voilà, dit c'est... D'accord. C'est... Bon. En tout cas, c'est la peur qu'il faut enlever, Luzina, d'accord? Oui, oui. Je vais essayer. Essayez d'enlever la peur et peut-être de lire un peu aussi. Vous avez Internet? Oui, oui. Oui. Parce que ça serait intéressant de voir d'autres témoignages, d'aller parler sur un forum aussi. D'accord. Ça vous aiderait d'être en contact avec des gens qui ont vécu la même chose que vous? D'accord. Ça pourrait être une solution aussi. D'accord, Lucina? Merci. Je vais essayer. Il faut que je me contrôle bien. Je sais que je vais faire ça. Parce que c'est lourd. Surtout après l'âge, c'est là où ça devient encore... C'est pas évident. Mais j'arrive pas à m'attacher avec les gens. Les seules personnes que je vois plus, c'est les gens que je travaille avec. Dès que je rentre à la maison, donc je suis qu'avec ma fille et mon compagnon. J'ai peur de m'attacher avec les gens. Sinon, dans ma tête, c'est comme ils vont partir. Je vais voir ça. Vous êtes complètement terrifié par ces visions, en fait, oui. Tout simplement. Non, c'est ça, c'est cette terreur, c'est cette peur qu'il faut travailler. D'accord, Luzina? D'accord, merci beaucoup. Bon. Merci beaucoup.
Je vous souhaite du courage. Merci. Et puis essayez d'aller sur Internet, comme je vous l'ai dit. Regardez des forums, des personnes qui ont vécu la même chose que vous. D'accord. Parce que vous n'êtes pas la seule. D'accord. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre témoignage. Merci de m'écouter. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Pour parler à Sabrina Philippe, appelez le 39-21, 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Sur Europe 1, Sabrina Philippe vous écoute et vous accompagne. Et c'est Isabelle qui nous rejoint maintenant. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Sabrina, merci. Bonsoir. De prendre mon appel. Merci à vous. Je vais vous raconter mon histoire. Donc j'ai 62 ans, j'ai une fille de 32 ans que j'ai élevée pratiquement toute seule. Et je rencontre des difficultés, j'allais dire, de communication avec elle. J'arrive pas à lui dire non, en quelque sorte, certainement par peur du conflit. Et je trouve que il y a des choses où elle dépasse un peu les bornes et que tout devient indu. Et en fait, j'ai toujours l'impression d'être à côté du sujet. C'est assez délicat parce que bon, elle a un fort caractère, moi également, et elle a une façon de retourner les situations qui sont assez étonnantes. Et par ailleurs, on vit une situation qui, l'une et l'autre, qui est pas évidente, dans le sens où ça faisait 9 ans qu'elle était avec son compagnon, elle est en train de se séparer. Alors évidemment, je suis beaucoup à ses côtés pour l'aider, et c'est bien normal, et c'est mon rôle de mère. Par contre, dans sa façon de demander de l'aide, je trouve ça un peu curieux, et puis il y a le phénomène argent qui devient quelque chose d'important. Je m'explique quand je dis ça, c'est-à-dire que, si vous voulez, j'ai toujours été là pour elle. Vous n'avez qu'une fille, pardon, je vous ai... j'en ai qu'une. D'accord. Oui, fille unique. Et donc, quand elle a besoin d'argent, je lui en prête, sans souci quand je le peux. Et là, ma situation a changé, je suis à la retraite, donc mes moyens sont plus les mêmes, évidemment. Et là, devant cette difficulté, cette séparation, bon, il a fallu racheter une voiture, donc j'ai prêté l'argent pour acheter la voiture. L'exemple concret est immédiat, mais elle oublie qu'il faut rembourser, alors qu'elle me dit oui, je vais te rembourser, il n'y a pas de problème. Le moment venu, si je lui en parle, elle peut dire tu n'oublies jamais rien, toi, moi j'ai oublié. Oui, mais bon, elle ne le fait pas pour autant. C'est comme si c'était un dû, en fait. Je dois être là tout le temps pour elle et aussi pour ça. Et moi ça, c'est quelque chose qui est pour moi qui est devenu insupportable et j'arrive pas à savoir. En fait, j'ai besoin d'aide pour formuler les choses sans rentrer en conflit avec elle. Et j'avoue que je me trouve un peu démunie vis-à-vis de ça. Peut-être que je suis un peu trop trash quelquefois, mais bon, ça a le don de me mettre dans l'inconfort. Et à ce moment-là, comment dire les choses sans blesser? Comment dire les choses sans avoir... je sais pas. Bon, alors on va reprendre un petit peu votre histoire, si vous le voulez bien, Isabelle, pour mieux comprendre... Comment vous en arrivez là, finalement? Oui. Parce qu'il n'y a pas une situation donnée à un moment T. Il y a toute une histoire derrière. Non, évidemment. Il y a toute une histoire derrière. Et donc, oui. Vous avez eu votre fille à 30 ans, c'est ça, à peu près? C'est ça, voilà. 30 ans. Vous étiez... mariée 18 ans. Je suis restée mariée 18 ans, 20 D'accord. ans. Voilà. Vous l'avez... Alors, quand vous dites que vous l'avez élevée seule, à partir de quel âge? À partir du moment où je me suis séparée de son père, il y a eu de grosses difficultés entre tous les deux. Et mon ex-mari, c'est quelqu'un qui est énormément sur la rancune. Et il a voulu, en fait, il a un peu mélangé les choses dans le sens où peut-être que c'était pour m'atteindre, j'en sais rien. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il ne veut plus la voir. Donc ça a été une blessure pour elle qui a été très compliquée à gérer parce qu'on fait le deuil d'une relation ou de quelqu'un quand la personne décède. Mais quand la personne existe encore et qu'elle veut plus vous voir, c'est une blessure qui a été pour elle quelque chose d'important. Mais elle avait quel âge ? 13-14 ans à peu près. 13-14 ans, c'est à ce moment-là que vous êtes séparés ? Oui. C'est vous qui avez voulu cette séparation ? Oui, oui. D'accord. Oui. Donc, parce que votre couple n'allait plus bien, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Bon, donc vous choisissez, en fait, de vous séparer. Votre mari ne le souhaitait pas? Oui, parce qu'il m'a dit, il m'a dit que je l'avais abandonné. Donc, il ne le souhaitait pas, effectivement. D'accord. Et suite à ça, il disparaît?
Non, ils se sont vus quelques fois, mais jamais il a assumé son... Enfin, il a d'ailleurs... le motif de notre séparation était entre autres la déception que j'ai eue d'avoir eu un enfant avec cet homme-là qui finalement n'a jamais assumé son rôle de père. Donc moi, j'ai beaucoup compensé. Et après, ben, ma foi, il est arrivé ça, qu'il ne voulait plus l'avoir et qu'il n'a jamais assumé non plus un week-end sur deux, la moitié des vacances, etc., etc. Et à un moment ou à un autre, ils se sont fâchés tous les deux et il n'a plus voulu entendre parler d'elle. Donc ça a été, elle a vu une psy à ce moment-là, pendant pas mal de temps, parce qu'il fallait qu'elle fasse le deuil de cette relation avec son père, parce que ça lui provoquait des colères absolument épouvantables. Elle était dans la colère avec tout le monde et tout le temps, et beaucoup avec moi. Moi, j'étais en première ligne, donc j'en prenais plein la tête régulièrement. Et quand il était à la maison, votre ex-conjoint, il s'occupait d'elle un peu ou pas du tout ? Pas beaucoup. Pas beaucoup ? Non. D'accord. Pas beaucoup. Je pense que ça a été... Je pense qu'elle s'est sentie rejetée par son père depuis bien longtemps. Et ce rejet s'est matérialisé au moment de la séparation. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, à partir de là, donc elle a 13 ans, c'est ça ? 13-14 ans ? Oui. Et vous vivez seule avec elle ? Je vis seule avec elle et d'ailleurs quand moi j'avais vu la psy également à ce moment-là pour dépeindre la situation, c'était papa absent, maman trop présente. Parce que moi j'ai beaucoup compensé, évidemment. Alors après on fait au mieux, hein. Bien sûr. Au moment où on le fait, évidemment. Mais je pense que ça a certainement créé des liens très forts entre nous, mais peut-être que je l'ai aussi un peu étouffée, parce qu'elle m'a quelquefois dit qu'elle avait du mal à prendre des décisions si je lui donnais pas mon avis. Et si en plus je lui donne carrément, c'était au-delà de mon avis. C'était presque la confirmation de quelque chose, vous voyez, c'était plus fort que mon avis. D'accord. Donc, elle a vécu chez vous jusqu'à quel âge, votre fille ? Ben après, dans les moments là de 14-16 ans, elle est partie pensionnaire pour faire des études plus loin que chez nous. Donc, elle est partie pensionnaire et là, je me suis dit que j'allais pouvoir faire des choses pour moi. Et la séparation a été douloureuse et pour elle et pour moi. J'ai très très mal vécu les choses et j'avais l'impression, comme je m'étais beaucoup occupée d'elle et que j'avais plus d'envie pour moi-même finalement. Et il s'est creusé un espèce de fossé autour de moi où je me sentais désemparée. Et elle, dans son lycée, en tant que pensionnaire, elle faisait des crises de mal au ventre qui ressemblaient plutôt à du stress que des gastro. Il m'appelait en disant « Votre fille, c'est une gastro », bah, au bout d'un moment. Donc, on faisait, quand elle allait pas bien, elle me téléphonait et on faisait des exercices de respiration. Et à partir du moment où on a mis des mots en lui disant « Non, t'as pas mal au ventre parce que t'as une gastro, t'as mal au ventre parce que tu t'es angoissée, t'es stressée ». Donc le fait de travailler là-dessus toutes les deux, ça la rassurait et les crises s'étaient largement espacées. D'accord. Et vous, de votre côté, est-ce que vous avez pu reconstruire votre vie ? Non. Pourquoi ? Non. Alors, j'ai fait des essais. D'abord, j'avais un travail qui me prenait, étant dans le commerce, et je travaillais du lundi après-midi au samedi soir. Donc, tout le temps où elle était pensionnaire, j'enchaînais mes semaines. Elle rentrait le week-end, on faisait des choses ensemble, parce qu'elle faisait de l'équitation beaucoup, donc on partait des fois en concours. Et moi, j'avais pas le temps de m'occuper de moi. J'avais plus le temps, en fait. Donc, vous savez, le temps passe vite. Puis un jour, vous vous retournez, vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait pour moi ? Ben, je me suis occupée de ma fille, j'ai fait des choses, mais j'ai rien fait pour moi. Donc, il a fallu casser ce rythme. Et à l'époque, la psy m'avait expliqué, mais elle est tellement attachée qu'elle ne pourra pas partir, c'est trop douloureux pour elle de partir. Et en fait, elle est partie dans le conflit qui n'a pas duré longtemps, mais en quelque sorte, pour partir, il fallait qu'elle se fâche avec moi et qu'elle claque la porte. Donc moi, vous imaginez à quel point je l'ai mal vécu. Mais une fois que je l'ai compris et qu'on me l'a expliqué, on mettait des mots sur cette situation. Donc je n'en ai jamais voulu de ça, c'était plus sa souffrance. Et après, elle s'est à nouveau rapprochée de moi. Et je pense que j'ai justement notre mode de fonctionnement à toutes les
deux, c'est que j'ai toujours été là à 300% pour elle, que je n'ai pas de vie à côté, et qu'en fait, c'est très prenant, et elle voit pas pourquoi ça fonctionnerait autrement. Donc j'ai fait un essai de vivre avec quelqu'un qui est venu habiter chez moi pendant 2 ans. Bon, après, c'est quelqu'un qui était un baroudeur, il m'a quitté du jour au lendemain, mais je me suis posé la question à savoir si elle n'était pas contente de ça. Parce qu'au début de la relation avec ce monsieur, j'étais moins disponible. Et des fois, ça la gênait. Elle me disait, mais tu peux pas manger avec moi. Ah bon, tu manges pas avec moi, mais pourquoi, machin. Et il y avait un peu de jalousie, quoi. Mais c'était notre mode de fonctionnement. Je me suis jamais positionnée, vous voyez, de cette manière, en disant... C'est pour ça que déjà, à cette époque-là, je savais pas dire non, quelque part. Et ça me dérange de plus en plus. Et oui. Donc ça continue, tout simplement. Ça continue. Ben oui, parce que c'est notre mode de fonctionnement. Quelque part, je suis toujours disponible. Pourquoi je ne le serais plus aujourd'hui, même à 32 ans, vous voyez? Donc elle vit proche de chez vous? Comment ça se passe dans vos relations? Elle vit à 15 km de chez moi, dans la montagne. Voilà, elle est en pleine séparation. Donc avec une séparation conflictuelle, ça faisait 9 ans qu'elle vivait avec son compagnon. Et il y a des choses à régler, donc je suis proche d'elle. Mais bon, moi, je suis là pour elle et c'est normal. Je vais l'aider à faire son déménagement, je vais l'aider. Mais je trouve qu'elle exagère dans le sens où, par exemple, pour l'argent, je prête. Mais jamais un jour, elle me dit, mais est-ce que ça te dérange? Maman, est-ce que tu peux m'avancer 1000 euros, 2000 euros? Est-ce que tu peux m'avancer? Je te rembourserai. Et si c'est pas moi qui parle du remboursement, on n'en parle pas. Et là, je l'attends au virage. Mais au-delà de ces histoires d'argent, vous êtes très proches, c'est-à-dire qu'elle vous appelle beaucoup, vous racontez tout, c'est ça? Oui, on s'appelle beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas une journée. Alors, c'est beaucoup de SMS. Il n'y a pas une journée. Et là, je trouve, donc elle est retournée voir une autre psy parce qu'elle a fait donc cette démarche pour, j'allais dire, accepter. Donc là, je pense qu'il y a un bon travail qui a été fait. Elle a moins de colère et elle accepte beaucoup mieux la séparation. Elle a fait le deuil de la séparation avec son père. Mais il y a des choses profondes à régler. Et elle a fait des séances d'hypnose avec EMDR. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc je pense que ça l'a beaucoup, beaucoup bougé. C'est pas simple, certainement, à accepter ces choses-là. De toute façon, toute démarche psychologique profonde, il y a des moments de perturbation. Hein. C'est pas simple à mettre des choses, comme elle dit, il faut arrêter de mettre les choses sous le tapis. L'image est belle, en fait, c'est ça. Et il faut remettre les choses sur le dessus, mais ça peut être aussi des douleurs. Et je me demande si là, aujourd'hui, avec les séances qu'elle a eues, elles ne sont pas terminées, là c'est les vacances, elle va y retourner, si elle n'est pas en train de se détacher de moi par ailleurs. Vous voyez, à la fois, il y a ça, mais par contre, je suis toujours là pour envoyer des chèques, quoi, je veux dire. Mais ça me dérange. Je me sens utilisée par ma fille. C'est pas beau ce que je dis. Oui. Mais... Je sais pas, tout est dû, tout est. Et il n'y a pas de compassion pour moi, c'est obligatoire. Vous voyez ce que je ressens, ça. Et quelle est votre vie aujourd'hui, Isabelle? Je suis à la retraite depuis 2 ans. Et comme j'ai beaucoup travaillé dans le commerce, je me suis dit qu'est-ce que j'ai envie de faire. Je me suis inscrite dans des associations, je me suis mise à faire de la marche, du sport. Et puis l'année dernière, je me suis cassée la cheville. Et donc, je me suis retrouvée 45 jours dans le plâtre. Et ça a été très douloureux dans le sens où j'étais isolée. Et habitant au premier étage, ça a été très, très compliqué. Et en fait, à chaque fois que j'ai beaucoup de problèmes de santé, comme je dis, ma fille, elle fait le minimum syndical. Hein. Elle est là pour venir me chercher à la clinique s'il faut, mais il n'y a pas de plus. C'est-à-dire qu'elle ne passait pas forcément régulièrement pour me rendre service. Mais je pense qu'elle a, elle est assez personnelle, elle est assez égoïste, certainement, je sais pas. C'est pas que je veux mettre des mots sur des situations, c'est une façon de l'excuser aussi. Mais je pense qu'à arriver à un âge, il faut prendre conscience des choses, non? Est-ce qu'il faut toujours exprimer ce qu'on ressent? Oui. Mais est-ce que les gens en face de vous ne sont pas censés se rendre compte de certaines choses? Je sais pas. Si, il faut aussi pouvoir leur dire, bien évidemment, Isabelle. Moi, je vais avoir beaucoup de choses à vous dire.
Oui. Par rapport à votre relation et tout ce que vous avez exprimé, parce que vous avez été dans une relation fusionnelle avec votre fille. Oui. Hein, on peut dire oui. ça comme ça. Hein. Oui, oui, bien sûr. Et que sortir de la fusion, c'est très compliqué. C'est très compliqué pour elle, mais c'est très compliqué pour vous aussi. Mais bien sûr. Alors, ce que je vous propose, puisque ça va être le journal de la nuit dans quelques instants, ensuite dans une petite pause musicale, c'est de rester avec nous. Oui, merci. D'accord. Merci. Et je vous reprends juste après. Merci beaucoup. Vous êtes d'accord ? Oui, bien sûr. Merci. Alors, à tout à l'heure. La Libre Antenne sur Europe 1, Sabrina Philippe. Et juste avant ce flash info, ce journal de la nuit, nous étions avec Isabelle. Vous êtes toujours avec nous, Isabelle ? Oui, tout à fait. Vous nous expliquez la relation que vous aviez avec votre fille depuis de nombreuses années maintenant, mm-hmm. après un divorce, quand elle avait 13 ans, mm-hmm. à votre demande, et finalement une perte de contact avec son père, un rejet, oui. on peut dire, hein, de, oui. son père. Oui. Et puis, vous avez beaucoup investi, votre fille aussi, une relation assez fusionnelle avec elle. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, finalement. Avec des relations encore très proches. Ah oui, tout à fait. Encore très proches, mais qui se transforment peu à peu dans un dû que vous auriez vis-à-vis d'elle, et notamment un dû financier, puisqu'elle vous demande de l'argent, qu'elle ne rembourse pas forcément. Mm-hmm. Et ça vous choque, évidemment, ça vous peine, j'imagine. Oui, et un dû de temps aussi, quelque part. Un dû de temps, quand je dis ça, c'est-à-dire qu'il faut que je sois toujours disponible, même aujourd'hui, quelque part. Alors, il y a plusieurs SMS qui arrivent pour vous, Isabelle. Oui. Sensible à votre témoignage, pour avoir connu une situation similaire. Mm-hmm. J'en avais assez que ma fille soit uniquement intéressée par mon argent, aucune bienveillance, compassion de sa part. J'ai alors cessé de lui donner de l'argent. Oui, c'est pas. Alors effectivement, il faut. J'en suis bien consciente. C'est pas lui rendre service non plus que de dire toujours oui. C'est pour ça que j'ai un petit peu commencé ma conversation en disant je n'arrive pas à lui dire oui. Et après, si vous voulez, quand elle est dans la difficulté, c'est un peu. Ça me donne mauvaise conscience. Je me dis elle est dans la difficulté. Je peux l'aider. Il faut le faire. Là, elle est en pleine séparation, donc elle a eu besoin d'une voiture. On a acheté une voiture. Quoi, je veux dire, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vrai que c'est ce dosage-là, peut-être, que j'arrive pas à trouver. Mais je pense que si je suis toujours derrière elle, effectivement, à boucher les trous ou à, c'est une solution de facilité. Donc quoi qu'elle fasse, elle sait que je suis toujours derrière elle pour la soutenir aussi. Et ça, c'est pas la responsabiliser. J'en suis consciente. Et j'arrive pas à lui dire non parce que j'ai peur. J'ai peur du conflit. Quelque part, c'est ça. C'est pas facile de trouver un bon dosage. Et quand moi, je suis en difficulté, comme je vous le disais tout à l'heure, elle fait les choses, mais elle me remercie toujours. Mais je pense qu'au-delà de ça, vous allez me dire ce que vous pensez de ce que je vais vous dire là, c'est que j'ai l'impression du fait, d'ailleurs, elle me l'a déjà exprimé, du fait qu'elle a plus son père, elle dit, moi, j'ai perdu mon père quelque part, et si je te perds toi, c'est quelque chose qui serait insupportable pour elle. Donc, elle ne supporte pas de me voir mal, par exemple. Mmh. Là, quand je me suis cassée la cheville, où j'étais complètement anéantie, j'ai eu des baisses de morale épouvantables parce que j'étais bloquée dans ma maison sans pouvoir bouger et avec plein de difficultés. Il fallait qu'on me fasse tout, les courses, j'avais plus rien. Mais elle est passée, mais pas régulièrement, autant que j'aurais pu en avoir besoin, quoi. Elle avait toujours des bonnes raisons. Mais quand elle allait dîner avec ses copains à 3 km de chez moi ou qu'elle passait devant chez moi et qu'elle ne s'arrêtait pas, je peux vous assurer que ça me faisait mal au cœur. Je disais, quand même, c'est raide, ça. Hein. Et ça, je trouve que de ce côté... Pour ça, je dis qu'elle est égoïste et que c'est difficile, ça, quand même, d'accepter ça, hein. Vous savez, je crois que ce qui se joue entre vous, Isabelle, dites-moi. C'est toute la difficulté de la fusion. Oui. Parce que votre fille, en fait, elle vous aime énormément, certainement. Oui. En effet, vous avez été son seul parent. Oui. Et le fait qu'elle ne passe pas quand vous êtes en difficulté, je pense que ça témoigne plus, finalement, du fait de la difficulté de vous voir dans une telle situation. Je pense, oui. Qui la renvoie, elle, à son insécurité, parce que c'est, oui. ça a dû être, et c'est encore une adulte qui manque de sécurité intérieure. Oui. Hein? Et René, d'ailleurs, par SMS, nous le dit, en effet. C'est toute cette insécurité, mais qui est liée aussi à votre relation fusionnelle, parce que
Bon, vous avez fait comme vous avez pu, vous l'avez beaucoup investi, mais du coup, ce surinvestissement l'a fragilisé aussi. Certainement, elle le dit des fois qu'elle a un manque de confiance en elle et tout ça. Et, mais ça, je l'entends bien, mais j'ai l'impression qu'il faut sortir de cette situation et je ne sais pas comment faire. Et je veux pas la blesser, évidemment. Je veux pas la blesser. Je veux pas. De toute façon, quand je donne mon avis, enfin quand je dis certaines choses, elle me dit il y a pas de jugement. Elle me parle de reproches. Quand je lui dis quelque chose, elle prend toujours ça pour des reproches. Je lui dis mais c'est pas des reproches. Mais il y a des fois où je trouve pas qu'elle se comporte bien vis-à-vis de moi, quoi. Je trouve que quand même, comme je dis, c'est un minimum syndical, quoi, quelque part. Hein. Moi, j'ai besoin aussi d'être un peu plus... Il y a peut-être de la reconnaissance, non ? Je ne sais pas. Est-ce que je peux attendre de la reconnaissance ? Vous pouvez attendre de la reconnaissance à partir du moment où vous serez sortis toutes les deux de cette fusion. D'accord. Il n'y a pas de reconnaissance dans la fusion, puisqu'on est, dans la même... Ouais. C'est comme si vous étiez toutes les deux dans la même membrane, si vous voulez. D'accord. Vous voyez ? Ouais. Donc il n'y a pas de reconnaissance. Elle, c'est vous. Vous, c'est elle. D'accord. Ah voilà. Oui. C'est ça, la fusion. D'accord. Ouais. Et comment on sort de là ? Comment on sort de là ? Il faut que vous aussi, vous puissiez en sortir, Isabelle. Bien sûr, oui. Vous comprenez ? C'est pas que elle. Non, mais bien sûr. Or, la difficulté là, c'est que finalement, vous n'avez pas construit votre vie. Non. Donc, quelque part aussi... J'en souffre aussi de ça. Oui. Hein, parce... Et donc, si vous voulez, c'est ça, la difficulté. C'est que... vous aussi, ça va être difficile de sortir de cette fusion parce que votre fille, elle prend beaucoup de place. Ouais. Et puis, à chaque fois qu'elle vous sollicite, quelque part, elle vous anime aussi. C'est vrai. Elle anime votre vie parce qu'il faut la déménager, il faut faire ci, il faut faire ça. Oui. Elle n'a pas d'enfant encore, votre fille ? Non. Non, non. Non, 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 elle n'a pas d'enfant. Oui, c'est sûr, je le comprends, je comprends ça. Et je pense aussi, quand j'ai les quelques fois où j'ai eu quelqu'un dans ma vie, vis-à-vis d'elle, je prenais aussi les choses avec plus de légèreté. Et il y avait des choses sur lesquelles je passais, quoi. Là, ça prend des proportions sur moi et ça a un impact sur moi qui est plus important. Quand on a quelqu'un dans sa vie, tout est plus léger, hein, de toute façon. Hein. Donc pour vous aussi, je crois que c'est ça aussi, si vous voulez. Ça passe aussi par là. Mais ça passe par vous. Oui, mais c'est vrai. Ça passe par vous et pas que par elle. Oui. Elle essaye d'en sortir. Parce que quand vous dites, elle a repris une tranche avec sa thérapeute, elle essaye de faire de l'EMDR. Oui. Je pense que, elle essaye en tout cas de grandir. Oui, mais franchement, là, depuis qu'elle a revu cette nouvelle psy, là, je trouve que... j'ai eu l'impression que ces crises d'adolescence s'espaçaient, alors qu'on en était toujours là. Hein. C'était, pour moi, elle faisait encore des crises d'adolescence à 30 ans. Oui, mais attendez, Isabelle. Oui. Une enfant ne peut pas grandir quand elle est dans la fusion. D'accord. Donc c'est normal qu'elle ait fait encore des crises d'adolescence. Oui. Parce que pour pouvoir devenir mature, il faut sortir de cette fusion. Alors, il faut que je fasse quoi, à votre avis ? Vous savez, je crois qu'il faut lui parler déjà, peut-être de tout ce dont on parle ce soir. Vous n'avez pas... Alors, il y a Sarah qui nous envoie un message intéressant par SMS. Elle dit « Bonsoir, est-ce que la fusion est inéluctable avec son enfant lorsqu'on l'a élevé seul ?» Lorsqu'on l'élève seul. Non, ce n'est pas inéluctable. Ce n'est pas inéluctable. Mais, en effet... Quand on se concentre uniquement sur son enfant, eh bien, on crée cet état fusionnel de dépendance. Oui. L'enfant devient dépendant du parent. Cette dépendance nourrit le parent, donc vous a nourri. Oui, c'est vrai, oui. A animé votre vie, a pris de la place. Une place qui était vide. Mais oui. Et finalement, ça vous arrangeait bien. Alors, c'est un arrangement qu'on trouve. Et l'enfant, lui, continue à être en demande. Parce que c'est quelque part aussi la demande inconsciente du parent. C'est un mécanisme à deux, c'est une danse à deux. C'est vrai, mais que si par exemple, là, l'histoire présente du déménagement, elle m'aurait pas sollicité, ça m'aurait dérangé. Mais voilà, c'est bien ce que je vous dis, Isabelle. Je suis bien consciente de ça, mais j'arrive pas à faire autrement.
Vous savez que j'en suis au stade à des fois réfléchir quand elle me pose des questions ou qu'elle me sollicite. Il faut que je fasse un effort sur moi-même pour réfléchir si spontanément je vais dire oui tout le temps. Fonctionne comme ça. Mais parce que ça vous arrange. Mais ça m'arrange parce que ma vie est un désert. Ben voilà. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, hein? Eh ben on le construit. Parce que je peux vous assurer que je suis quelqu'un de dynamique, je sors beaucoup, je fais des choses à côté de ça. Bon, là, j'ai eu cette fracture, mais ça m'a arrêté un an, mais maintenant ça va mieux. Je fais des choses, j'ai un groupe d'amis, je sors quand même, je suis pas sur mon canapé toute la journée à ne rien faire, malgré tout. Mais au niveau rencontre et au niveau, là, j'ai pris des bâches, je vous dis pas. Hein. Moi, les sites de rencontre, il faut surtout pas m'en parler. Hein. Mmh. C'est galvaudé au possible, les gens se comportent mal, on est toujours trop ou pas assez, hein. C'est-à-dire qu'on rencontre des personnes, alors ils préfèrent à 60 ans avoir des, ils veulent des femmes qui sont filiformes, magnifiques, sans rides, enfin bon, moi je suis déçue et plus jamais, parce que je trouve que c'est même non seulement c'est décevant, mais on prend des choses qui sont... Moi, j'ai été vraiment blessée par certaines personnes qui se sont permis de dire des choses pas très agréables, quoi. Mmh. Voilà, et ça, je veux pas. Donc, je pense avoir usé toutes les solutions pour pouvoir rencontrer des gens et j'arrive pas. Alors, quand j'en parle avec ma fille, elle me dit « t'es trop exigeante ». Ben, peut-être, mais j'en sais rien après, ce que ça veut dire d'être trop exigeante. C'est vrai, on peut pas faire tout et n'importe quoi non plus. Certainement, on a tous des exigences, mais quoi ? Mais vous savez, quand on est en couple avec sa fille, dans sa tête, ça laisse pas beaucoup de place pour autre chose non plus ? Je l'ai eu fait, hein. J'ai quand même fait des expériences et en fait... Mmh. Des tentatives. On m'a quitté, après, ouais, j'ai fait la place à partir du moment où elle s'est mise en couple. Mmh. Parce que, pour moi, il y avait des choses qu'elle était capable de comprendre du fait qu'elle était en couple. Donc, j'ai eu des hommes dans ma vie sans vivre avec les personnes. Hein. Mmh. J'en ai eu. Bon, après, bah, ça n'a pas toujours marché pour des raisons... diverses et variées. S'il y a trop d'écart au niveau de la façon de voir les choses, au niveau intellectuel, au niveau... Bah, on s'ennuie aussi ou on est décalé. Donc il y a des choses où il faut... Je suis en recherche de beaucoup de choses. Ben, c'est vers ces recherches qu'il faut vous tourner, Isabelle, pour vous aussi pouvoir sortir de cette fusion. Oui. Vous voyez ? Alors il y a Chris qui envoie un message intéressant. Mettre une limite au tout, oui. N'est-ce pas aussi une façon de vous aider mutuellement à vous détacher pour grandir ensemble ? Oui. Le conflit peut parfois donner vie à chacune d'entre vous. C'est très joliment dit. Merci, Chris. Oui, ben on disait ça, qu'au moment de l'adolescence, les rapports mère-fille, si c'est conflictuel, on s'aimera d'autant encore plus après. Je dis, ben nous, on devrait s'aimer très fort, parce qu'on s'est bien engueulé pendant la période de l'adolescence, et c'était très, très, très compliqué pour moi de gérer des situations comme ça. Hein. Mmh. Moi, les conflits, c'est pas quelque chose que je vis bien. Hein. On peut pas vivre bien un conflit. Mais je pense que si j'ai un conflit avec ma fille, on sera pas fâché à vie non plus pour autant, quoi. Non, et parfois le conflit, en effet, est nécessaire. Mmh. Et sans doute, elle ne sait pas gérer, en fait, cette relation, Isabelle. Je pense qu'elle a envie de grandir. Et en même temps, elle n'arrive pas à se détacher de vous. Oui. Et elle n'arrive pas à se détacher de ces demandes qu'elle a vis-à-vis de vous, parce qu'encore une fois... Encore une fois. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom, mais il n'y a pas que ça. Mm. Ces demandes vous nourrissent. C'est comme ça que vous fonctionnez. Mais oui, je fonctionne comme ça depuis si longtemps. Mm. Comment on peut arrêter ça ? Comment on peut se dire... parce que moi, ça commence à me peser, ça me pèse, et je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien au niveau du... Ça ne fonctionne pas très bien, forcément. Je m'en rends compte, mais je ne sais pas... J'ai l'impression de tourner en rond. Je crois qu'il faut peut-être lui parler, comme on s'est parlé ce soir. Et vous aussi, il va falloir construire peu à peu votre vie pour que ça ne soit plus un désert.
ça, c'est un autre débat. Hein. Non, c'est le même, en fait, Isabelle. C'est le même parce que tant que vous serez dans ce désert, bah, finalement, votre fille, c'est votre oasis. Alors, il faut prendre les choses de cette façon-là, par ce bout-là, j'allais dire. Aussi, oui. Ce n'est pas que elle, en fait. Ouais. C'est vous deux. Mais c'est très compliqué de rencontrer quelqu'un aujourd'hui. Est-ce que vous imaginez à quel point c'est compliqué? Vous savez, je me suis dit à 60 ans, on n'a plus de contraintes. J'ai pas de contraintes financières, j'ai plus de contraintes d'horaire de boulot puisque je travaille plus. Je suis libre, totalement libre. Je peux faire des week-ends en milieu de semaine, je peux partir demain, faire des petites balades, faire plein de choses que j'accepte volontiers. Eh ben, c'est pas vrai, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. En fait, les relations avec des hommes de 60 ans, moi je dis que c'est carrément impossible. Ou ils sont dans la consommation, ou bien on est trop, pas assez, ça va jamais, quoi. Moi je passe jamais les deux. Je dis ça à mes copines, mais c'est assez rigolo parce que je passe jamais le deuxième entretien, moi. Premier entretien, ça se passe bien, le deuxième, ça se passe bien aussi, et il n'y a jamais de troisième. Il se passe bien quelque chose. Bah, peut-être qu'il y a une... Alors, bien sûr que ce n'est pas évident à 60 ans, mais encore une fois, je le disais tout à l'heure, c'est possible. Est-ce que vous, finalement, dans ce que vous véhiculez, est-ce qu'il n'y a pas finalement quelque chose qui est fermé à l'intérieur de vous, sans que vous en rendiez compte? Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ça. Qu'est-ce que ça peut être? Parce que, vous savez, parfois, on veut, comme ça, en apparence. Oui, on bah essaye, oui. On tente. Oui. Ben oui. Mais comme il y a des blocages à l'intérieur, ça donne exactement l'inverse. Ben, c'est peut-être ce qui se produit pour moi. Je suis quelqu'un d'ouverte, je parle beaucoup parce que j'ai toujours été dans le commerce, donc de ce côté-là, je communique beaucoup, je fais des tas de choses, je vous dis, si, je vais à des concerts, là, l'été, il y en a plein, je sors, je fais des choses, je rencontre des gens... Voilà, je me suis même inscrite sur un site de partage d'activités et non pas de rencontres. C'est une bonne chose parce que parfois on rencontre comme ça justement. Voilà, parce qu'on peut avoir des goûts communs pour bien le théâtre, sûr. On peut faire des... Voilà, je me suis inscrite sur un site comme ça. En fait, je peux aussi rencontrer une bonne copine avec qui sortir. Bien sûr. Et là, on rencontre... C'est plus facile de partir à deux danser ou de partir à deux voir des spectacles plutôt que d'être seule. C'est plus facile. J'ai pensé à tout ça. Je pense que je m'y emploie quand même pas mal. Et peut-être qu'il y a un blocage à l'intérieur de vous. Et pourquoi pas vous aussi consulter quelqu'un? Pourquoi pas aller débloquer deux, trois choses, comprendre deux, trois choses? J'ai une psy, c'est très rassurant d'ailleurs, parce qu'on se dit que quand on est en difficulté, on peut téléphoner, prendre rendez-vous. Bon là c'est l'été, ça va être un petit peu plus compliqué, mais c'est cette dame-là que va voir ma fille maintenant. Ah. Donc je pense que je ne suis plus accessible ah, maintenant. Ah non, ça c'est vraiment, pas. Alors là, dans la fusion en plus, non, voilà, c'est vraiment c'est pas ça. La chose à faire. Voilà, hein, donc vraiment il faut pas. Que je me trouve quelqu'un d'autre. Elle est allée en fait voir cette personne pour faire une thérapie de couple, puisque ça allait très mal dans son couple, et puis finalement, les choses se sont révélées dans le sens où ça a conforté l'idée de se séparer. Et du coup, elle continue l'hypnose avec cette personne-là, avec qui ça accroche bien. Donc moi, j'ai plus accès à cette personne maintenant. Il ne faut pas que j'aille voir la même. Ce n'est pas possible. Non, ça, c'est elle, pas possible. Elle me connaît, elle sait que je suis sa mère, donc ça ne va pas le faire. Non, pas du tout. Donc, mais ça serait intéressant. Oui, mais oui. Que oui, vous alliez travailler tout ça. Parce qu'il y a que, des choses à comprendre. Voilà. Certainement. Voilà. Et je pense que quand votre attitude changera aussi, c'est-à-dire que vous ne serez plus dans ce oui, dans cet état un peu de dépendance vous aussi vis-à-vis de votre fille, vous êtes toutes les deux en état de dépendance, en réalité. Vous c'est êtes la dépendance toutes les deux. Affective, mais ça. Oui. C'est mais ça. Oui. Vous avez cette relation, c'est propre à la fusion, hein. Oui. Vous avez cette relation de dépendance, toutes les deux. Oui. Donc il faut qu'elle en sorte, mais vous aussi, vous devez en sortir, sinon elle n'en sortira pas. Et puis on a glissé tout doucement vers les années comme ça parce que justement moi je suis complètement disponible à plus forte raison maintenant quoi. Voilà. Non mais c'est sûr et c'est des glissements qui se produisent de façon tout doucement et on
on n'en est pas conscient et on n'en est pas jusqu'au moment où il se passe quelque chose, un événement, et là, ça commence, ça dérange. Là, aujourd'hui, ça me dérange. Et moi, j'avais envie de vous dire aussi, quelque part, elle vous fait payer cette dépendance. Certainement. Voilà, certainement. Au sens propre comme au sens figuré, elle vous d'accord. la fait payer. Ah oui, ah oui. Je n'avais pas pensé à ça. Bah oui, parce que c'est difficile pour elle aussi, en fait. Oui, oui. Il faut que je lui parle. Mmh. Il faut que je lui parle, mais il faut pas que. Faudrait qu'elle m'écoute aussi. Parce que quand je, enfin là cet après-midi on a un petit peu discuté, mais tout de suite c'est, elle me coupe la parole et elle me laisse pas exprimer les choses jusqu'au bout. Parce qu'il faut faut vous parliez en disant je, Isabelle. Oui. Je. Voilà. Oui. Je t'ai élevée comme ça parce que je n'ai pas su faire autrement. Oui. J'ai créé parce que c'est vous qui avez créé cette relation fusionnelle. C'est pas l'enfant qui le crée, c'est le parent. Eh ben oui. D'accord. Bien sûr, oui. C'était pas ce qu'il y avait à faire certainement, mais je n'ai pas su faire autrement. Oui. Et j'ai bien conscience aujourd'hui qu'il va falloir que tu en sortes et moi aussi. D'accord. Voilà. D'accord. Parce que ça c'est la vérité. Et vous dites oui. Je. Et votre ressenti sera jamais à remettre en question. D'accord. D'accord. Oui. Ok. Alors, il y a un joli message de Véro qui dit « Nous nous sommes rencontrés, mon mari et moi, via Internet, il y a 14 ans. Nous sommes mariés, nous avons 65 et 66 ans. » Alors, ça existe. J'ai des amis à qui c'est arrivé sur un grand site de rencontre le plus gros. C'est un pourcentage qui est quand même... allez, on va dire qu'il y a peut-être 1% ou 2% des personnes inscrites où ça marche. Bon, je crois que c'est un pourcentage un peu plus important que ça. Vous croyez ? Et je crois que... Ben, c'est plus en plus galvaudé, hein, je trouve. Oui, oui, on dit souvent ça, mais il y a encore des rencontres qui se font. Et je crois que voir les choses telles que vous les voyez, c'est aussi fermer la porte directement. Les rencontres de plus de 60 ans, c'est comme ça. Les hommes, ils sont comme ça. Ça donne ça. Ah ben, c'est mon expérience. Hein. Je peux vous assurer qu'il y a eu une période où c'était un travail à temps complet. Hein, parce que ça prend énormément de temps d'avoir des contacts J'entends. Et de rencontrer les gens. Hein. Isabelle, mais quand on n'est pas prêt non plus, et il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas prêtes sur ces sites, quand on n'est pas prêt ou quand il y a quelque chose à l'intérieur qui bloque, on n'a pas toujours conscience. Et on se dirige aussi vers des personnes qui ne correspondent pas. Donc, bah, et ça permet... voilà. Vous savez, c'est des menus déroulants. Il y a des gens qui sont là depuis 4 ans, 5 ans. En plus de ça, souvent, les sites de rencontres, ils trichent sur leurs fichiers parce qu'ils ressortent des personnes qui sont plus inscrites pour avoir un peu plus. C'est ce que j'appelle un fichier mort. Hein. Mmh. Et ça, c'est très vrai. Mais je pense que... D'ailleurs, ils sont en train de changer. Quand on entend les publicités, ils sont en train un peu de changer leur façon de faire en proposant des soirées ou des ateliers ou des choses pour que les gens se rencontrent en vrai. Parce que ça, tout le monde peut, on peut dire n'importe quoi, hein, rien n'est contrôlé. Hein. Bien sûr, et mais il y a d'autres moyens, bien sûr, mais il y a d'autres moyens de rencontre, comme en les sites, comme vous les citiez justement de. Ah oui, de partage d'activités. Voilà, moi, des partages d'activités, d'activités justement. On rencontre beaucoup de personnes dans les activités, différentes activités de groupe. Ah oui. Donc, oui. Mais. C'est pour ça que je vous suggérerais d'aller refaire un petit travail avec une psy. C'est pas impossible que vous vous soyez bloqué aussi. Parce que là, je vous dis, quand on est en couple avec son enfant, et c'est comme ça quand même que vous l'avez vécu pendant des années, je suis pas très sûre que vous en soyez sortie. Ben, moi, j'ai eu l'impression quand même d'être libérée à partir, comme je vous dis, à partir du moment où elle a été en couple. Oui, mais finalement, son couple n'allait pas très bien. Finalement, oui, elle était. Oui. C'était depuis les dernières années. Hein. Mmh. Elle a vécu 9 ans. 9 ans, ça va pas bien depuis une bonne année, on va dire. D'accord. Hein. Mais j'avais de très bonnes relations avec mon gendre. Ça se passait bien. J'étais pas sans arrêt chez eux. Hein. Je n'allais jamais chez eux si j'y étais pas invitée. Hein. Jamais. Hein. Et on avait une relation plus téléphonique du coup, puisque je respectais tout à fait. Oui, bien sûr. Mais voilà. Mais on peut être encore très présent et très. Oui. Voilà. Oui. Donc, oui, il y a des impacts hein, comme ça sur la façon de fonctionner. Je trouve ça assez terrible en fait. Parce qu'on s'en rend compte, enfin moi je m'en rends compte, mais on n'arrive pas à faire autrement. Quoi. Voilà.
Oui, oui, c'est pour ça que l'idée, c'est pas de vous fustiger. Vous avez fait comme vous avez pu. Oui. Vous avez fait comme vous avez pu, Isabelle. Oui, à ce moment-là, j'ai fait comme j'ai pu, effectivement. Mais aujourd'hui, je me dis qu'il y a bien quelque chose qui ne va pas, puisque le résultat, il n'est pas non plus si bien que ça, quoi. Je me dis, il y a bien quelque chose qui tourne pas rond quelque part, et quoi, et comment s'en sortir. Je pense que là, on a touché des choses qui devraient vous éclairer. Oui. Mais c'est vous qui devez changer aussi. Oui, bien sûr. C'est vous qui devez changer. C'est parce que c'est vous qui avez initié cette relation. Bien sûr. Et oui. Donc c'est à vous de la modifier. Toujours dans l'amour, hein. Ah bah évidemment. Évidemment, mais c'est incontesté, incontestable. Je pense que de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Mais c'est ce qu'il y a autour qui Il y a Laurent qui souhaitait intervenir dans l'émission, qui souhaitait vous parler. Ah oui, c'est gentil, merci. Bonsoir Laurent. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous souhaitiez parler à Isabelle. Oui, parce que j'ai la chair de poule, parce que je vous entends, ça fait un moment que je n'avais pas plus écouté votre radio, et j'entends cette femme, et moi j'ai vécu la même chose avec ma maman. D'accord. Ah oui. C'est-à-dire que ma maman, c'était une maman poule, on était 10, hein, donc... Mais vous parlez... Ma maman, elle m'a tout donné. D'accord. Mais une chose qu'elle m'a jamais donnée, enfin, m'a jamais dit, mais c'est très émouvant, parce qu'elle est décédée, ça va faire 15 ans, là, hier, le 6 août, et en 2003, pendant la canicule, elle m'a jamais dit « je t'aime », parce qu'elle n'arrivait pas à le dire. Mmh. Mais vous parlez pas de votre fille, vous parlez de votre fille, mais... Vous lui avez tout donné et c'est plus... Moi, un jour, j'ai osé affronter ma mère. Mm. Mais affronter, je veux dire... Alors, ce que voulait dire Laurent, c'est que vous avez vécu... Je lui avais reproché, elle m'avait trop donné. Mm. Matériellement, mais pas de tendresse. Et moi, j'aurais aimé des bisous. Non, mais là, c'est pas ça. Hein. Mm. Donc, parce vous, c'était autre chose. On n'est pas dans ce schéma-là, parce que nous, on se dit qu'on s'aime, on s'envoie des petits mots. Mais c'est génial. Oui, oui, complètement. Vous, c'est une autre histoire, Laurent. C'est une autre histoire. D'accord. Mais ça serait intéressant que vous en parliez un jour lors de la libre antenne, peut-être. Non, mais parce que moi, j'avais cru comprendre. J'ai pris la libre antenne en cours de. Voilà. D'accord. Mais effectivement, moi, j'avais cru comprendre que cette maman n'arrivait plus. C'est une fille qui a une trentaine d'années, c'est ça? Oui, c'est ça, elle a 30 ans. Qui venait et qui, voilà, mais... On a une relation qui est très, très fusionnelle. On s'aime, justement, c'est le trop. C'est une autre histoire. C'est le trop plein, quoi. C'est le trop plein. Merci, Laurent, pour votre intervention. Mais y a pas de problème. Merci beaucoup, je vous souhaite une belle soirée. Merci, Laurent, bonne soirée. Merci. Au revoir. Bon, Isabelle. Oui. Je crois qu'on s'est dit beaucoup de choses ce soir. Oui, merci beaucoup. J'espère que vous les aurez entendues. Oui. Pour votre fille, pour vous. Vous m'avez éclairé sur certaines pistes, effectivement. Je vous le souhaite et je vous souhaite de rencontrer l'amour. Oui, parce que l'amour se rencontre aussi après 60 ans, je peux vous le garantir. Oui, j'ai des amis à qui c'est arrivé. Donc il n'y a pas de raison que ça ne vous arrive pas, il faut débugger quelque chose. Bon. D'accord ? Oui, très bien. Sortir de la fusion pour votre fille et pour vous. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle nuit, Isabelle. Merci beaucoup, bonne belle soirée. Belle nuit à vous, au revoir. Merci, au revoir. Sur Europe 1, Sabrina Philippe vous écoute et vous accompagne. Et c'est Ouda qui nous rejoint maintenant. Bonsoir Ouda. Oui, bonsoir Sabrina. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Oui, je suis un peu émue. J'ai pas l'habitude de passer à l'antenne d'une radio. Et je suis une fidèle auditrice d'Europe 1 depuis 3-4 ans environ. Oui. Merci pour votre fidélité, alors. J'écoute le soir Sabrina, j'ai même acheté votre dernier livre. Ah ben merci. Je ne sais pas trop par quoi commencer. En fait, si je vous appelais, ça faisait déjà un moment que j'avais envie de vous appeler, mais je ne sais pas trop. En fait, je crois que j'ai deux choses qui me viennent aujourd'hui énormément.
Je crois, c'est peut-être pas les mots qu'il faut mettre, mais je crois que j'ai un problème de détachement avec ma famille. Moi, j'ai 46 ans. Mmh. Je suis née au Maroc et ma famille est au Maroc. Mmh. Et je suis très sollicitée par ma famille tout le temps pour une assistance financière principalement. Mmh. Et ça, je suis en France depuis l'âge de 18 ans et demi, donc ça fait 28 ans maintenant. Oui. Je suis venue à la base pour faire des études. Et après, je suis restée en France. Je travaille en France, enfin en région parisienne, mmh. enfin à Paris, pardon. Et je suis tout le temps sollicitée par mes parents et j'arrive pas à me détacher de. J'arrive pas à être libre dans ma vie et ils sont toujours là à m'appeler, à me solliciter. Et pourtant, j'ai essayé de faire un travail sur moi-même. J'ai lu plein de livres, j'ai écouté plein de chroniques éventuellement sur Europe 1 aussi. J'ai du mal à. J'arrive pas, je veux pas couper le pont avec eux, mais je voudrais pouvoir. Vous éloigner, vous détacher un peu de leurs demandes. Oui, j'ai du mal. Alors, je pense que le problème, il vient sûrement dans mon enfance. Hein. J'ai pas eu forcément une fratrie de 7. J'ai pas été. J'ai un manque d'estime de soi, de moi-même, un manque de confiance, etc. Et ça me poursuit. Je me dis, je vais être comme ça, je vais rester comme ça jusqu'à combien de temps, je sais pas. Et puis aussi j'ai un autre problème, mais ça j'ai longuement écouté le témoignage Virginie, oui, le témoignage de Virginie qui vous a appelé lundi dernier, pas ce lundi là mais le 30 juillet. Mm-hmm. Et moi je suis tombée dans le même problème, c'est-à-dire l'alcoolisme il y a 5 ans et je m'en suis sortie parce que j'ai fait une cure. Et puis il y a une semaine j'ai rechuté. C'est arrivé comment? J'ai pendant 5 ans j'ai absolument pris aucune goutte d'alcool et puis j'ai été invitée et puis on m'a proposé un verre, j'ai pris et puis je suis retombée là-dedans. Je suis parfaitement consciente qu'il faut prendre aucune goutte d'alcool. Je suis pas du tout dans le déni, etc. C'est ce qu'on disait avec Virginie. Hein, je crois que le message est clair. Voilà. Ah oui, j'ai écouté votre échange, mais je l'ai écouté en replay, mais une dizaine de fois, pour vous dire. Après, donc j'ai parfaitement compris. Je sais que je sais comment ça se passe. Je suis parfaitement consciente, etc. Et j'ai comme l'impression que les événements dans ma vie, à savoir ma famille, tout ça c'est lié. Et j'ai vu effectivement des médecins et tout ça, j'ai été suivie, etc. J'ai lu plein de choses, je suis consciente de plein de choses, mais j'ai du mal aujourd'hui à avancer par rapport à ça. Je me dis, je sais pas trop comment. Si je sais, mais il y a comme quelque chose qui me retient. Je n'arrive pas à avancer. J'arrive pas à dire non à ma famille. J'arrive pas à avancer un peu dans la vie. Alors quand vous dites je n'arrive pas à dire non à ma famille, quelle est leur demande? Déjà, vous, est-ce que vous avez construit votre vie? Parce que vous avez 46 ans, est-ce que vous êtes mariée? Est-ce que vous avez des enfants? Oui. Oui. Moi, j'ai deux garçons, j'ai mmh. deux enfants. Je suis divorcée aujourd'hui, mmh. Mais j'ai deux garçons, je suis célibataire. Et oui, j'ai construit ma vie puisque j'ai une vie, je travaille. Mes enfants, je suis en garde alternée, ils ont 15 et 12 ans. Mmh. Ça se passe plutôt bien pour eux.
Je peux dire que voilà, j'ai une vie, j'ai une vie bien, mais moi, au fond de moi-même, non, je sens pas que je suis bien. Et j'ai quelque chose qui me manque pour aller mieux dans ma vie. Et ce fait est que il y a un fil qui me tire vers le bas, c'est ma famille. Et j'ai peur de retomber dans l'alcool à nouveau. Et c'est quelque chose que aujourd'hui je refuse totalement. Je ne veux plus ça parce que j'ai comme Virginie, elle a très bien raconté les choses. J'étais complètement comme ça il y a 5 ans. Et je me dis, est-ce que par quand ma famille me sollicite, parce que tous mes frères sont là-bas, mes parents aussi, et je pense à des événements de mon enfance. Alors, j'ai pas été du tout maltraitée, hein, ni physiquement ni psychologiquement, mais j'ai pas eu une enfance où on faisait attention à moi, on me donnait de l'amour, etc. Et je sens qu'il y a un manque par rapport à ça, et j'ai peur d'aller me réfugier quelque part là-dedans, et c'est une angoisse pour moi aujourd'hui. D'accord. Et je sais pas trop, je sais pas, aujourd'hui il existe plein d'outils, je sais, il y a plein de choses à faire, etc., mais je sens qu'il y a une faiblesse en moi. Bah, de toute façon, vous savez, on ne boit jamais par hasard, Ouda. En fait, on boit parce que ça devient un médicament. Au début, oui, l'alcool agit comme un anxiolytique, donc ça soulage. Et qu'est-ce qui va faire qu'on va consommer encore? Parce qu'il y a un soulagement. Et au moment où justement on se rend compte qu'on a trop bu, bah c'est trop tard. Parce qu'on est déjà pris par cet alcool. Oui, je sais. Je sais, mais moi aujourd'hui, je ne bois plus. J'ai arrêté ça, ça faisait 5 ans. Et j'ai repris la semaine dernière juste une fois parce qu'on m'a invité, et j'ai regretté, j'ai culpabilisé énormément. Et après, j'ai pas repris. Bon, ça c'est formidable. Mais ça c'est formidable que vous n'ayez pas repris depuis la semaine dernière. C'est le principal. Non. Parce que j'ai pas du tout envie de retomber là-dedans. J'ai pas du tout envie de retomber. Je comparais ma vie d'avant et celle d'aujourd'hui. Et celle d'avant, elle était vraiment moche par rapport à celle d'aujourd'hui. Mais ça m'angoisse. J'ai peur de retomber là-dedans et je me dis, je suis fragile. Je dois être très fragile. Et il faut que je me reconstruise quelque part, mais je ne sais pas où, à quel endroit. Pourtant, je lis énormément sur tout ce qui est développement personnel, l'auto-hypnose. Je fais beaucoup de yoga tous les matins. Je fais de la méditation. Je fais plein de choses, mais je sens une fragilité en moi, en fait. Et vous avez fait une psychothérapie, Ouda? Je l'ai faite, mais pour moi, elle n'a pas fonctionné. Pour moi, je l'ai faite pendant 3 ans, mais elle s'est résumée uniquement à des médicaments. Non, donc ça, c'est pas une psychothérapie. Non, c'est pas une psychothérapie. Non, c'est pas une psychothérapie. Ouais, c'est pas vraiment. Non. C'est pas ça, une psychothérapie. Non. Alors, non, vous l'avez pas fait. Moi, j'avais vu une personne à qui j'ai raconté tout ça, mais. On me donnait un tas de médicaments toute la journée et des somnifères pour dormir. Or, moi, je veux pas ça. Donc, j'ai totalement tout arrêté et j'ai voulu me soigner par moi-même, en fait. Donc, heureusement, j'ai trouvé du yoga. J'ai pris des cours et aujourd'hui, je fais du yoga tous les jours depuis 3 ans. Et ça m'a énormément aidée, la méditation aussi. Et du coup, je me suis séparée complètement des médicaments. Donc, mais je me dis un jour ou l'autre, il suffit qu'il y ait un truc qui me, comment dire,
qui me... Oui, qui vous perturbe et vous avez... Oui. Que je, voilà. Vous vous sentez pas assez forte. Vous sentez pas assez forte. Non. Je sens une fragilité en moi et je pense qu'à tout moment, je peux retomber à nouveau comme avant et... Vous savez, Ouda, oui. je pense que... Et c'est très louable ce que vous avez fait, parce que j'entends bien dans tout ce que vous dites que vous avez cherché à travers le yoga, la méditation, que vous achetez des livres, que vous voulez absolument vous améliorer quelque part, améliorer votre vie. Mais il y a un moment où en fait on a besoin d'être accompagné, parce qu'il y a des choses qu'on peut pas trouver tout seul. Mm-hmm. Et c'est ça la psychothérapie aussi. Mm. Et une psychothérapie, c'est pas prendre des médicaments, pas du tout. Une psychothérapie, c'est aller fouiller votre fonctionnement, le comprendre, grâce à la lecture de quelqu'un qui, dont c'est le métier, et le soigner. Oui, mais j'ai pas envie de retomber j'ai pas envie de revenir en arrière, de revoir ma vie de quand j'étais enfant ou adolescente. Mais il va falloir, Mais j'ai pas envie de faire ce travail-là, moi. Il y a des choses peut-être qu'aujourd'hui que j'ai plus envie de revivre. C'est pas les revivre en fait. C'est comprendre déjà, parce que là vous avez commencé en disant j'ai une dépendance vis-à-vis de ma famille, une dépendance à plusieurs niveaux. J'arrive pas à leur dire non. Oui. Donc il s'est forcément passé des choses pour que vous soyez dans cette situation. Oui. Et ces choses-là, va falloir aller les revisiter. Alors, ça ne veut pas dire y passer des années, hein. D'accord? Mais au moins quelques séances. Pour les comprendre et les dépasser. Ouda. Mais moi, j'ai pas envie de rentrer, de fouiner dans mon passé. J'ai envie de passer cette étape-là et dire, c'est comme ça. Ok, je suis pas la seule. Beaucoup de gens, il y a des gens qui ont été maltraités dans leur vie, etc. Mais moi c'est pas le cas. Mais on m'a pas donné l'amour, on m'a pas donné l'attention qu'il fallait donner quand j'étais petite ou adolescente. Mais je veux passer cette étape-là et avancer. Je n'ai pas envie de rentrer là-dedans, Sabrina, moi. Je ne veux pas finir là-dedans et je ne suis pas prête du tout aujourd'hui pour aller rentrer dans ma vie intérieure et de revivre ces moments-là. Pour oui, ça me fera avancer sûrement, mais peut-être ça prendra du temps. Et moi aujourd'hui, j'ai envie d'avancer vers l'avant et pas oublier, parce que il s'agit pas d'oublier, j'oublierai jamais, mais de dire c'est comme ça et puis passer à autre chose. Oui, j'entends. J'entends ce que vous me dites. Mais quelque part, si vous voulez, quand on a eu des difficultés dans son enfance, c'est comme si on boitait. D'accord ? Et en général, plus on avance dans la vie, plus on continue à boiter de plus en plus. Vous voyez, c'est comme une blessure qu'on n'a pas soignée. Alors après, on peut mettre des attelles, faire pas mal de choses. Hein, une chaussure, on essaye de trouver une chaussure confortable, mais on boit toujours. Oui. C'est ça que j'essaye de vous expliquer. Et quand il y a de la souffrance comme ça, qui a été emmagasinée depuis longtemps, bien ça fait une poche de souffrance. Et cette poche de souffrance, à un moment, il faut la percer. Et c'est la façon la plus radicale, en fait, de soigner. Alors, c'est pas forcément très agréable, mais une fois que c'est fait, ça peut aller mieux. Et quand c'est bien fait, donc il faut trouver quelqu'un qui vous corresponde, un thérapeute qui vous corresponde. Oui, j'entends bien ce que vous me dites, mais aujourd'hui, ce qui pèse le plus sur moi, c'est la culpabilité. Et je culpabilise, je sais pas pourquoi, d'où elle sort cette culpabilité. D'où elle vient, je me dis c'est normal d'être comme ça et
le fait est aujourd'hui, vous voyez, je vous dis, il y a une dépendance vis-à-vis de ma famille, mais j'ai même pas envie de couper cette dépendance-là. Parce que je me dis, c'est normal, il faut continuer comme ça. Et en même temps, il y a quelque chose qui me dit, ben non, c'est pas normal d'être comme ça. Et je culpabilise énormément. On vous culpabilisait quand vous étiez petite ? C'était souvent de votre faute ? Oui. Ouais. Oui, oui. C'était souvent de votre faute ? On me disait que c'était souvent ma faute, oui. C'était souvent ma faute, de notre faute à nous, et pas la faute du voisin, oui. Oui, oui, oui. Donc, oui, oui, ça, je l'ai beaucoup entendu quand j'étais petite. Ah oui. Vous voyez, c'est ce genre de choses qu'il faut aller déloger, Ouda. En fait, il n'y a rien de magique. Alors, c'est ça que j'essaye de vous expliquer. C'est que c'est pas... Oui, mais c'est un travail que j'ai envie de faire, à la limite, toute seule. Mais c'est pas possible. Ah bon ? Non. Pourquoi ? Parce que quand on est seul, on a ses propres limites. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avancer seul, hein. Attention, hein. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas trouver tout seul parce qu'on ne peut pas se voir extérieurement. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Quand vous me parlez, je ne connais pas votre vie. D'accord ? Je n'ai pas d'affect avec vous. Je ne vous connais pas. Donc je vois les choses dans ce que vous dites d'une façon très claire. Et puis c'est mon métier, bien sûr. D'accord ? Vous ne pouvez pas les voir comme je les vois. Parce mais moi, je les vois, ces choses-là. Vous les voyez, mais vous les voyez sans les voir. Et c'est valable pour tout le monde. Et c'est valable pour moi aussi. On ne moi, se voit pas en réalité. Je vois ce qui ne va pas aujourd'hui. Vous voyez ce qui ne va pas, mais vous ne voyez pas la cause. Vous ne la comprenez pas de façon claire. Oui. Il y a des SMS qui arrivent de Lilia, par exemple. Il me semble que pour vous libérer de cette souffrance, vous devriez vous faire aider par un psychothérapeute qui vous permettra de vous libérer de cette pression familiale. Et il y a Clay qui nous dit, bien, en ce moment, vous parlez, eh bien, ça sera pareil en toute liberté. Ça sera pareil en toute liberté. C'est-à-dire que une psychothérapie, c'est exactement ce qu'on est en train de faire là, sauf qu'il vous faut plusieurs séances. Enfin, c'est pas tout à fait ce qu'on fait là, parce que là, on est à l'antenne. Mais c'est commencer à déblayer des choses, à les comprendre différemment et à les transformer. Ouais. Il faut trouver quelqu'un avec qui vous soyez bien. Comment ? Il faut trouver quelqu'un avec qui vous soyez bien. En tout cas, c'est mon conseil. Oui, 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 j'entends bien, mais comment dire, moi aujourd'hui je peux quand même avancer dans ma vie, je veux dire, ça m'empêche pas d'avancer dans la vie, mais je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, ça c'est sûr, qui me pèse, et j'entends bien tous les SMS et ce que vous me dites, Sabrina, mais aujourd'hui, je ne me sens pas du tout prête d'aller dans une thérapie pour aller là-dedans. Vous savez, c'est pas aller là-dedans, c'est faire une rencontre avec quelqu'un qui vous guidera et qui vous soutiendra aussi, qui vous soutiendra pour ne pas retomber dans l'alcool aussi. On a le droit de se faire aider dans la vie, hein. C'est bien d'être volontaire, de vouloir faire les choses seul, mais c'est bien aussi parfois de se faire aider. On en a tous besoin à un moment ou à un autre dans notre vie. Voilà, en tout cas, mon conseil. Hein. Cette émission se termine. Merci pour votre appel. Et j'espère que vous m'aurez entendu, en tout cas. Merci, bonne soirée. Je vous souhaite une belle nuit. Belle nuit à vous. Au revoir. Cette émission se termine. On se retrouve demain. À 22h30, merci beaucoup pour vos témoignages, pour vos conseils, pour vos réactions par SMS. À demain, belle nuit à vous.